Yo. Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Ok. Du son usuel me semble suffisamment basse. Je fais mes réglages de son en direct. Là, terrible. Ah, tu peux pas régler ton son. T'as pas de. Quand je mets le truc en mode studio, t'as pas le son des sources qui sont pas là. Salut chat, salut Aruka, salut Elodie, salut moi-même, salut Nariel, salut Lama, salut Pocktail. Non. Bonjour. Quoi, dis donc? Y a du monde, hein. Oui, c'est 7. Hop. Alors, j'envoie. Tout ça pour un jeu de sous-marin, on va s'amuser. Vous allez Ça vous pour... amuser, vous allez voir. Tout ça pour un jeu de sous-marin de simulation, précision, hein. C'est pas Et un... oui. On n'est pas là pour, on n'est pas là pour faire des bêtises, hein. On est là pour couler des navires. Alors. Je suis Sailor, capitaine. Oui, hop, je change ça. Voilà, c'est bon, tu n'es plus Ok. Je vais checker déjà les environs, voir si on a un convoi. Alors j'ai compris comment fonctionne le truc de plongée. En fait, tu ajustes pas le ballast. Ou du moins que si vraiment c'est compliqué. Tu fais tout avec les deux diving planes. Que je sais utiliser maintenant. Moi, j'ai J'ai. toujours tout fait avec les justement des balades. Ouais, mais non, en fait, c'est vraiment que avec les contrôles, le truc est neutre en fait quand on plonge. Ok. Et en gros, t'as deux barres. En fait, je sais pas si tu utilisais les deux diving planes. Ok, deux convoyeurs au 335, je Attends. répète, 335, distance courte, je répète, distance courte. Ok, t'as dit 300. Actuellement se dirige dans notre direction, trajectoire d'interception. 335, t'as dit? 335. Ils sont Attends. où les loups-garous? C'est nous les loups-garous, en aucun. 335, 335. Attends, Deux c'est derrière navires de nous? surface. Non, c'est devant nous à gauche. Ah oui, attends, pardon. Attends. Notre heading. Ils sont très très 187. proches. Il y a deux navires, pas d'escorte. On peut les niquer au canon si on veut. Attends, l'escorte, peut-être qu'on la voit pas, hein. Non, non, vraiment, il n'y a pas d'escorte là. Ils sont visibles à l'œil. Ils sont très 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 proches. Hein. J'ai appris comment. Comment. Que tu peux noter la. Les distances ou l'angle. Au pavé numérique. Alors, du coup, tu me disais 335, c'est ça? Oui, mais par contre, je te dis, on les voit. Ils sont genre à quoi? À 300 mètres? Si tu me crois pas, sors. Hein. 335, c'est ouais, c'est derrière nous 300. Ah non, attends, putain, je viens de comprendre. Voilà quoi. 335. Vous voulez venir voir, capitaine? Ah ouais, ils sont là. Attends, bah je peux les voir à l'opériscope. Il a remonté. Il a descendu. Je vais regarder. Effectivement, ils sont proches. Tu les as identifiés ou pas? Non, je les ai pas identifiés, mais ça Ok. peut se faire. Hein. Je vais faire 18 à peu près, comme ça moi j'ai une vague idée de la hauteur, de la distance sur laquelle on est. Que 18 c'est pas mal comme estimation. Deux, ils sont. Ok, alors. Et si c'est 18, ils sont à 3 km. Communication. Mais ça me semble pas être le cas. Ils sont vachement proches quand Le même. premier, il est composite, Island Central. Ok, je vais. Amici. Composite central. Il a un mât. Ça ressemble beaucoup à ça quand même. Voir c'est ça. Non, c'est plutôt ça. Une grosse superstructure. Je C'est reconnais quasiment bien neutre. qu'il y a deux grues. Heavy Freighter type 4. Le deuxième. On tire dessus! Ils ont un canon, ils peuvent se défendre! Il faut plonger! Ok. Plongée, t'as dit. Ferme les. Plongée d'urgence! Ah, les lampes, elles fonctionnent pas sur celui-là. Ah merde! Ah, ça, je l'avais pas vu venir. parce qu'il y avait. Et en fait, dans la version. Dans la version.
Dans la version que j'ai bêta, t'as les lampes qui indiquent pour les, si t'es ready pour la plongée. Ah, on est ready de toute façon. Je suis en train de couper les moteurs. Passer au diesel là. Je coupe les moteurs diesel. Je vais identifier l'autre. Alors, Island Central, pareil composite. Grand deux tours à l'arrière. On plonge. Tour à l'arrière, ça m'a l'air d'être celui-là. Il faut être sûr parce que. Il y a une grue. Regarde, je suis devenu un professionnel, on est à la bonne hauteur en plongée. Ok, tous les navires ont été identifiés. Heavy Freighter type 4 et type 5. Et type 4, c'est lequel? Type 4, c'est le premier. Et type 5, c'est le deuxième. Le premier, celui qui est le plus proche de nous. Je vois l'étendard britannique. C'est l'ennemi. Est-ce que t'as la direction? La direction, oui. 336 pour le type 5. 340 pour le type... Ah non, l'inverse, pardon. 340 pour le type 4. Et enfin, tu m'as compris, quoi. Ouais, alors je... Hop. 336, c'est le premier, 340, le deuxième. Donc type 4, c'est le deuxième. Putain, faut que je connaisse les raccourcis en vrai, hein, ça va être chiant sinon. Bon. Je sais plus c'est quoi le deuxième type, j'ai oublié, type 9, 5. Type 4 et type 5. Okay. Le plus proche type 4, le plus loin type 5. Et je vais tu surveilles les environs et tu me dis leur. Je dis quoi? Leur. Leur. Ils font. Et moi je vais essayer d'estimer leur hauteur du coup. Ok. Hop, alors. Identifier chip. Je vais faire le 5 que tu m'as dit que c'était le plus proche. Le 5. C'est le type 22. 4 le plus proche. Ah. C'est le type. 22. Ouais, ça va, les deux c'est 22. Je vais identifier les deux en distance. Alors faut que je monte en haut maintenant. Je vais devoir te piquer ton périscope. Allez-y, capitaine, c'est votre périscope à présent. Alors c'est juste pour ça après, tu vois. Et la mer elle est calme. Hein. Genre c'est stable de fou. Du coup. La mine de charbon pour alimenter leur sous-marin, il marche pas au charbon notre sous-marin, c'est... il marche au diesel. 1, 2, 3. 4, 5. Fou, ah bah 50. 50, il a 1,6 km. Celui de droite. Donc le plus proche est 1,6 km. Alors du coup. Direction 350. Ah mais du coup j'ai plus notre position exacte mais. Ça s'actualise tous les certains quoi. Ah j'ai pas regardé la distance qu'on fait. T'as notre vitesse ou pas? Ah elle est en bas. Attends, je vais la chercher. Actuellement on est à. 4 nœuds à peu près. 4 nœuds, ok. Non, je fais la sensée 4, donc ça c'est 5. On est à peu près à 4,4 nœuds. Je vais mettre 4... je vais mettre 5 nœuds. Ah, c'est. Là, t'arrondis. Même pas, t'arrondis même pas. Là, t'es au-delà de l'arrondissement supérieur. Ah, t'as dit 4 nœuds. Oui, mais on est à. On est à 4,4. J'en retire l'angle, est-ce que je peux voir la... Voir le temps que ça me met pour un point. Non. Normalement c'est censé m'afficher la... Où est-ce que c'est? Je sais plus où c'est le truc pour voir la vitesse affichée. Allez voir les moteurs si vous voulez regarder. Ah voilà. Et ça fait combien de... C'est les moteurs. Bon, là, ils sont à l'arrêt parce qu'on est sur moteur électrique parce qu'on est en plongée, mais. On devrait être dans ce coin-là. Là, c'est ce moteur-là qui tourne. Ok. Ah. On est sous l'eau, là. On a la tête qui est passée sous l'eau. Avec le périscope d'attaque? Ouais, on est descendu un peu trop profondément. Je vous fais remonter.
Ah, je t'ai dit que je savais gérer ce machin, non? Ah, je suis très impressionné, capitaine. Vous êtes un homme à tout faire, y a pas à dire. Regardez des tutos. Je vais le remonter pour que le périscope d'observation puisse le voir aussi. Je vais me mettre à 10 en fait. Là. Je sais que c'est 10, l'endroit où je veux être, à peu près 10, 10, 5. Véritable professionnel en face de vous. Je suis très impressionné, capitaine. Il en a l'air d'être stable. Ok. Il a l'air d'être stable. Je peux reprendre ce que j'étais en train de faire et qui est essayer de deviner où est-ce qu'on était. Et aussi d'avoir... Les convois essaient de nous fuir, j'ai l'impression. Alors, 10. Ah, bah j'ai un point. Ah mais on est considéré comme à la surface maintenant, nickel. Hop. Ah, la distance. Je fasse avec la distance. Un peu plus. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est 50, donc 1,6 km. Ok. Et. Merde. 15. km, ouais. J'étais à 10. Merde. Tu me dis quand tu veux à l'ordinateur pour entrer les coordonnées. Ok, j'ai le poing. Hop, il est là. Ok. Alors maintenant, le temps qu'il met pour traverser la truc. C'était en nœud, c'est ça la vitesse. D'ailleurs, Non, je crois qu'il faut faire la conversion. Non, c'était en nœud, parce qu'on avait des mètres par seconde sur le truc de notre façon de calculer. Mais pourquoi est-ce qu'on avait dans ce cas-là la conversion dans le calcul? Bah, pour les nœuds, pour arriver à des nœuds. Oui, donc faut bien faire la conversion. Ok, 30 secondes pour... Putain. Et quelle taille? Il fait 20... Non, il fait pas 20 mètres, il fait 135 mètres. 30 secondes, ok. Je vais lancer la calculatrice à côté, quoi, parce que moi j'en ai pas, j'ai plus mon téléphone là. Donc c'était combien? C'était 135 mètres? 4,5 par 2. 2,25 nœuds. Je vais te laisser estimer son angle, parce que toi tu sais super bien le faire. 25. Regardez ce périscope de... Ah, c'est pour lui là? Ok. C'est celui qui est en 35. Ok, je passe mon périscope de tête. Ok, il est 35 maintenant. 35. Et je crois qu'il est parallèle quasiment à nous, non? La trajectoire, okay, je pourrais pas la trouver. Retourne au périscope de tête.
35. 35 et 1,6 km. Et quoi la distance? 1,6 km. Du coup ça, je vais mettre combien du coup? 10 Je vais mettre 16 du coup? Ouais pardon, toi tu dois mettre... Ouais c'est 16. Pardon. D'accord. Alors attends. 135. 40. Torpedo, on va les mettre à 3. 40 quand... Et j'ai vaguement sa trajectoire par rapport à nous maintenant. C'est bon, ah, j'ai entendu que t'as mis la radio du coup au fond. Ouais. On est prêt à tirer là. On est prêt à tirer? Oui. Alors attends, je monte en haut, je vais suivre avec la cible et puis tu me dis quand c'est good pour tirer. Ok, attends, je regarde un peu à nouveau son angle. Ok. Vas-y. Vas-y. Ok, je le suis maintenant. Ok, tu peux tirer quand t'es prêt. T'as combien de temps de... Et on a 1 minute 13. 1 13, ok. Le deuxième maintenant. Oui, et maintenant. Oh, il va être en face de nous. Oh, il va rester en face de nous, putain. Bon, en fait, d'avoir réduit la taille du convoi, c'est quand même plus simple. Hein. Bon, le coup, oui, surtout qu'il n'y a pas d'escorteur, là. Je sais pas où il est, pourquoi il y en a... Après, on entre. Au moins, ça nous permet de nous entraîner, après on pourra le faire plus vite, même si à deux, c'est compliqué de faire rapidement. Alors du coup, l'autre cible, j'avais déjà commencé à entrer, parce qu'on sait de l'autre. Alors attends, d'abord l'autre, je vais regarder nos batteries. 134, c'est la même taille, ok. Nos batteries, ça donne quoi? Oh, ça va, on est en 8. Ok, donc le second, je vais commencer à nous l'aligner. C'est la même... tatata, 1, 2, 3, 3 barres, 6... Attends. 6. Non, 3 barres, je suis bête. Bah si, attends, 6, bah pourquoi lui? Ah voilà, je me disais, c'était juste que ça avait bugué. 3 barres, 26, donc 26, ok, 2,6 km pour celui-là. 2,6 km à 25. On n'aurait pas déjà dû le toucher? Ah si. S. Raté. Je me trompe dans mes mesures? Attends. 22. J'aimerais bien savoir ce qui arrive à notre torpille, quoi. J'aimerais bien avoir un mode camp d'entraînement comme ça. Tu sais où ta torpille est partie. Le tuto. Oui, mais je veux dire, en dehors du tuto, d'avoir quand même ce truc-là. Ok, maintenant il est... Il tourne ou c'est... Là, on est vachement plus proche maintenant. Là, on est à... On s'en a 20, mais on était à 16 tout à l'heure. Il s'éloignait de nous en fait. Non, j'ai rien dit, il s'éloignait de nous. Ouais, maintenant il a 2 km, tu vois. Attends, 2 km, 80. Ok. Il y a un problème, il a tourné. Est-ce qu'ils peuvent spotter nos torpilles et esquiver en mesure? Non, mais par contre, celui qui est à droite, il a tourné. Il a changé de cap. Mais bien après qu'on aurait dû le toucher. Parce que, ouais, parce que la torpille, il passait pas loin, il a peut-être vu passer. Ouais, parce que là, je le vois sur le truc, il a tourné. Je vais m'aligner avec lui. Donc.
80. Mais qu'après, il était à peu près pour nous. Attends, je retire le truc de vitesse là, attends. Voilà. Je mette l'angle. L'angle réel. De 70. Ok. Je vais tourner à 270. Tentez-nous la ligne à nouveau. Je vais nous réduire notre vitesse. Je vais mettre dead slow. D'ailleurs, je change la torpille qu'on a tirée. Ok. D'ailleurs, je sais maintenant faire comment faire pour changer les deux en même temps. Tu fais shift click. Ça permet de changer les deux trucs de vitesse en même temps et pas de faire boulette du coup. Okay. On est considéré en plongée, on est descend. Ah oui, il faut que je. Du coup, on a moins de vitesse, donc il faut que je compense le fait qu'on va moins vite. Et je nous fais faire un dead slow parce que dead slow on a l'arrêt. Mettre slow speed. Voilà. Slow speed. Mais là tu nous as mis à reculer. Ah bon? Oui. À l'intérieur. Ah pardon, oui. Tu peux faire shift. C'est pour ça qu'on descend. Fais shift. Bon, je fais ça. Ah oui, d'accord. Je sais pas pourquoi à chaque fois le rouge, mon cerveau il traite pas quand même. Ah, désolé, on est un peu en plongée du coup. Non, j'ai pas refermé les ballasts. T'inquiète pas. On n'a pas blasté d'air dedans, donc tout va bien. De toute façon, en vrai, on blasse pas souvent d'air dans un sous-marin quand on reste vaguement proche de la surface. Et on va pouvoir bientôt réutiliser nos périscopes. Le remettre à 10,5. Franchement, là ils ont la version vachement chill en vrai. On a lancé une torpille assez vite. Une torpille. Une torpille assez vite. On arrive à faire la plongée, on se fait pas tirer dessus. Après j'ai mis. Normalement il est censé quand même avoir des escortes. Je pense que c'est juste certaines escortes qui vont en avoir. Enfin, certains convois qui vont avoir des escortes. Et je pense qu'on est stable maintenant. Ok, on a 2,70. Normalement, on devrait être aligné dessus. Pourquoi mon stock a descendu mon. Oui. Quand on est périscope trop profond, c'est pas une bonne idée. Périscope, capitaine. Je pense que je vais périscope. Et. Faire attention. Et je le vois. 310. Attends, 310, mais il est derrière nous du coup maintenant. Ah non, non, il est en face de nous, j'ai rien dit. Le type 4, c'est celui avec les oui, deux. D'ailleurs, le type 4, celui qui a la grosse superstructure centrale, il a changé de cap. Et normalement, on est aligné vers, on est quasiment aligné vers lui, il va vers 330. D'ailleurs, faut que j'initialise. Tu peux pas mettre Kariga. Le Karigou. Ah, attends. Faut que j'actualise la direction dans laquelle on va. 271. Et que s'il y a fait dodo, du coup, il n'y a pas de satisfactory.
Ils avons fait du sous-marin. De 71. Hicham a kidnappé. Là-bas de 71. Il est concentré sur ses calculs. Regardez, il fait 2, 7, 1. Il fait ça. Un vrai professionnel de la navigation. Quoi ? Ça me met 300 quand je mets 2, 7, 1. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Moi, je suis juste. Juste officier d'identification des bateaux. Voilà, 2, 7, 1. C'est tout. J'identifie. Les ships. C'est tout. Et je remplis le tableau là. Et aussi, j'ouvre les ballasts du sous-marin. Ok, j'ai pas notre position, mais j'ai une direction. Est-ce qu'on a redescendu sous l'eau ? Non ? Oui, ah si, on replonge un peu, punaise. Le capitaine. Et j'ai pas trouvé l'endroit où on était stable, du coup. Bah, c'est là où tu sens que quelqu'un qui reste là, ça fait sens. Parce que dès que tu quittes, que des yeux, le machin, il... Il repart dans les trucs qu'il va faire. Et que je m'occupe de ça, capitaine. Veux. En gros, il faut que tu penses à utiliser AED et les flèches directionnelles pour... à droite, c'est les flèches directionnelles, gauche, c'est AED. Et tu veux les faire en parallèle. Et que... Et si tu mets à plat... Si tu fais avant, ça va les stabiliser... Bon, je te l'ai... En gros, ouais, il faut que tu penses qu'on veut monter avec les plans parallèles pour éviter que notre sous-marin se penche. Et à basse vitesse, de toute façon, si tu fais qu'un seul des deux côtés, le sous-marin va pas apprécier. Et tu veux être à peu près à 10-5. Hein, si tu mets à plat, on coule. Mais j'essaie de me synchroniser. Ah, t'as pas besoin d'être synchrone tout le temps, hein, c'est juste à peu près synchrone dans la même idée. Tu veux être à quelle profondeur, capitaine ? Il faut qu'on soit vers 11, 10, 5 pour que les deux périscopes soient utilisables. Ok. Et en plus, quand on a 10, 5, on est considéré comme à la surface sur la carte. Du coup, on a notre position. C'est quand même vachement plus pratique. Merci pour m'avoir jeté des objets. Les méchants. Ok. 340. Il a fait un zigzag ou... Ok, il y en a un qui va s'aligner sur nous, nickel. 251, c'est... Attends, ok, je stabilise entre 10 et 11. Oh mon dieu, le périscope, il a la direction vraie indiquée. C'est quoi, en bas ? Ouais, je savais pas. Ah, moi je l'ai remarqué il y a peu de temps. Ok, donc 252, mais 340 pour nous. De toute façon, moi à chaque fois j'aligne le protracteur quasiment. Ok, 252, donc point. Non, il faut que j'ai la distance aussi, la hauteur. Il y a 2,5. Donc 30. Ouais, 3 km. Ok. 3 km en 340. En 252. Je vais mettre en 252. Merde, c'est l'angle que je rentre. Et de l'amour. Merci Aruka de ton amour. 5, me jette au visage. 2. Non mais faut... Bon. Il y a l'air comme toujours, c'est terrible. C'est débile. Oui, c'est pas compliqué de piloter un sous-marin. C'est compliqué, c'est d'être capitaine de sous-marin. 252, donc... De... Mais ils font des zigzags. Oui, alors que on n'a pas... Vous voulez qu'on les tire au canon, capitaine ? C'est le même que j'ai sélectionné. Si c'est le même que j'ai sélectionné, c'est terrifiant le zigzag qui nous fait là. C'est que la situation est compliquée.
Je sais pas si tu vois le zigzag qu'il nous fait à chaque fois là. Non mais tu regardes la carte, tu vois, il fait du zigzag, hein, c'est terrible. Je crois qu'il sait qu'on est là. Hein. Il fait des manœuvres d'évitement. Je pense qu'ils nous ont vu, capitaine. Je pense que oui. On va sortir pour les taper, c'est ça? Vous voulez qu'on tire, capitaine? On peut tenter, comme ça on leur montre le tir. Ballast. Attends, avant de souffler ballast, faut faire un truc, mais je sais plus quoi. Ah si, pour tu peux mettre au neutre. Vas-y, je mets au neutre et tu souffles. Ok, je souffle. Ça neutralise pas, avance pas. Montez, montez. Je rentre le périscope. Navire à côté qui va dire what the fuck. Et voilà. La surface, capitaine. J'ouvre le hatch et on va les exploser au canon. Tu veux que tu veux tirer ou tu veux que je tire? Vous tirez, capitaine, et moi je vais. Tu vas me dire trop haut, trop bas. Voilà. Et je vais diriger le bateau aussi. Ok. On va pas aller plus vite d'ailleurs. Et passer en voiture diesel aussi. Ouais, on va passer sur du diesel et puis. Je m'en occupe. Moi, je vais mettre la distance que j'avais, donc c'était 3, c'était 2 km et quelques, je crois. Non, 3 km. Ok, 3 km 50. Il nous tire dessus en retour. Riposter. 3 km. Je suis là, je suis de retour. 3-6. Tirer sur le quai, capitaine. Juste en face de nous. Okay. Ah, mais je vais tirer jusqu'à combien? 4-2. Il est tombé derrière le but? Trop loin. Ok. Je vais mettre 4 km. Trop loin. Trop loin. Mais funeste, d'ailleurs, je t'ai. Touché. Ah, 3-8. Merde, trop haut là, ça va être. J'ai pas. Le jeu que t'as joué la dernière fois. Non, c'est un autre jeu ça. Bien, je vais. Trop loin. Ouais, c'est la vague. Touché. Ça va être long de couler un ailleurs marchand. Avant qu'on tape les munitions. Je vais mettre un peu moins. Oh, touché. Ouais non, c'est vraiment 3-8 un pile. Following. Et je mets 3-7. Touché. Ah tu vois 3-8 ça marche. Hein. Il fume. On va avoir coulé notre truc, mais par canon. Mais en même temps, c'est vrai que le canon c'était souvent utilisé hein, quand t'es pas couvert. Oui. Quoi, tirer une torpille au final. Hein. Following encore, et là. Touché, mais un peu trop court. Ah, c'est pas facile, les vagues elles s'énervent, mon capitaine. Et écoutez, moi je vous guide. Tout le monde est capitaine dans ce sous-marin. Trop loin. Dingue. Je crois qu'il a ralenti du coup. Touché, mais sur la bordure. Je lui tape au niveau de l'eau. Hein. Touché, le mât. Touché encore. Et c'est touché encore. Il va mourir. Ça change du flower qu'on arrivait à peine à toucher. Hein. Touché, après c'est pas la même taille. Et t'es quand même plus proche, hein. Oui. Surtout les vagues qui étaient vénères, en vrai, hein, parce que là je lutte pas tôt, pas autant. Bon, allez, on est sur une bonne cadence. Bien sûr, il tourne à gauche, faut adapter. J'ai tiré trop à gauche.
Ah, les vagues, elles sont un peu plus vénères du coup, comme on accélère. On a accéléré. Mais qu'on ralentisse. Non, non, ça va, je... Juste que je vais louper un peu. Genre, mais ma souris, elle fait des vagues, hein. C'est littéralement, je fais... Oh, oh bah... Oh bah... Vas-y, il en prend des coups, hein. Sacrément résistant pour un convoyeur. Par contre, il ne tire pas dessus. Enfin, il ne tire plus dessus, plutôt. Putain, mais je tire dans la... Merde. Est-ce que tu peux pas t'aligner avec lui pour éviter que j'aie à lutter contre notre rotation aussi? Ok. Ouais, on gagne sur lui. Ah, il nous tire dessus à nouveau. Putain, mais il crame. Il crame, c'est beau. Regarde-moi ça. Il brûle de mille feux. On va la voir. J'ai peur qu'il nous ait aussi, par contre. Bah, est-ce que s'il crame, on peut le laisser cramer, non? Je sais pas. Je pense qu'un navire marchand comme ça, quand il s'enflamme, c'est pas ouf, quoi. Qu'il a pas l'air en bonne posture. Ouais. Ah, ça y est, on l'a eu. Ok, on tourne sur l'autre. Est-ce qu'on tourne une torpille sur l'autre? Ah, je pense que vu qu'il a vu son pote couler, il va esquiver. On peut s'approcher de lui, quasiment shotgun nos torpilles, hein. Let's go, on va shotgun. On va passer sur de la torpille électrique. On va passer en dessous de lui, on va lui tirer une torpille dans le dos. La profondeur de la quille, tu la mettais toi sur le truc? La profondeur de la quille. Tu sais, de la profondeur de la torpille, tu la mettais à quelle profondeur? Moi je la mettais à 3. Et tu sais combien il s'enfonce le machin? Non. Hmm. il file mon avatar le jeu, au secours. Est-ce que tu pourras mettre à 1 mètre ce coup-là? À 1 mètre? Oui. Ah non, mais t'inquiète pas, 3 c'est largement. Oui, mais on la verra au moins. Oui, c'est vrai qu'il y a. C'est parce que là au moins on aura une idée qu'est-ce qu'il ouvre, tu vois. Ok. Ah, c'est étrange, finesse. La version, en fait, en gros tous les tutos que je voyais c'était sur une version où en gros les lumières pour dire si les trucs c'était bien fermé, ils marchaient. Donc du coup t'avais pas besoin de checker, tu regardais juste les lampes et tu savais si tout était fermé. Ouais, du coup je suis en bas. Le jeu il freeze mon avatar. Dingue. Mais quel homme faire, comment c'est possible? De les rostis. Attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce m'a dit Elodie? Les rostis, j'arrive pas à finir, mais c'est pour. T'inquiète pas, j'en ai aussi, hein. Là, si tu peux les garder pour demain en soi. Hop. Alors. Je vais dire qu'on charge les batteries. Y'a pas de problème tout à l'heure, pourquoi soudainement? Ah, comment ils seront? Ah, bah je les mangerai au pire. Mais la résolution, ça va pas aider. Pourtant, t'as baissé, t'as baissé les... Ah, tu vois, ça change rien. Non, je pense que c'est... Je pense pas que c'est un problème de perf. Si je fais ça, tu vois. Je sors de l'écran, tu vois, ça remarche. Si je reviens dessus, ça fige. Est-ce que VTube a la priorité sur le GPU? Oui, oui. Ah, c'est pas normal du coup, pourquoi il s'y priorise? Très bonne question. Okay. Je vais commencer à marquer la course de l'autre comme ça moi. Ah. Bah écoutez. Je vais m'enlever moi. Je me remettrai à un autre jour.
C'est un périscope. On perd en vitesse parce que j'ai mis charge des batteries, c'est ça? Oui, ça coupe l'hélice. Ok. C'est le petit périscope, Karim. Ok, tu as fermé le truc en haut? Non, j'arrive. Ok, je passe au moteur électrique. Ah, c'est fermé. Ok. Plongez, plongez. On plonge, on plonge. Merde, c'est slow speed que je voulais. Non, elle speed en vrai. Ok, slow speed. Y'a raison, le carigou attend. Qu'est-ce qu'il y a? Mettre mon réactif du coup. Il est pas bête, il est pas bête. Il est très fort, le carigou. C'est marrant le fait de changer de... Ok, maintenant qu'on a une petite vitesse... 5 et 5, ça devrait faire l'affaire. Ouais. Et stable. C'est bon, stable à 10 mètres, normalement. J'allais dire, il est où le navire? On s'est déjà aligné... Tu t'es aligné avec le deuxième, c'est ça? Mais... Ok. Et voilà. Je vais faire un tour complet. Okay. La distance. C'est pas le périscope d'attaque, capitaine. J'ai besoin de la carte qui est à côté, c'est pour ça. Donc 2, c'est 40. Donc 4 km. 4 km en... 4 km en 10. Deux, un, neuf. Qu'est-ce que... Je comprends pas trop le truc avec l'angle. Tape de 1-9 et ça fonctionne pas. Et tu comprends pas pourquoi. Ah d'accord, c'est parce que ça suit mon protracteur, putain. D'accord. D'ailleurs ça le faisait pas, mais soit. Ok donc. Mais. On voit plus. Mais non mais. Ah mais. C'est qu'on voit plus. Ah mais c'est parce qu'on est replongé trop au fond. Ah. Vous voulez que je contrôle le capitaine? On voit plus. Bah y'a un problème du coup si on voit plus. C'est pour l'utiliser celui-là. C'est le périscope d'observation, c'est pas fait pour les calculs. C'est pas pour les calculs là, c'est pour les directions des ennemis. C'est pas fait non plus. Bah il est fait pour quoi alors s'il est pas fait pour ça? Il est fait pour rien. On l'a mis là pour faire beau. Périscope d'attaque, c'est au cas où que le navire... on a besoin d'attaquer et qu'on doit être un peu plus discret. Hein. Non mais le périscope d'observation c'est pour tout faire et le périscope d'attaque c'est juste pour attaquer. Ouais, ou quand bah, on attaque t'es un peu plus profond. Tu descends un peu pour éviter d'être vu. Parce que peut-être que ce qu'on aurait fait, hein, en vrai.
Je sais pas si on rattrape là le navire en face. J'ai pas l'impression. Ça dépend de sa vitesse. Là on va un peu plus de 4 nœuds, 4.2. Attends, bah je vais te dire. Bah il tourne en plus, il sait qu'on est là. Ouais. Je vais stabiliser le capitaine. Mmh. 20, 20, il... Je sais pas, j'ai 20, mais l'angle, il est chelou, donc... Alors, attends, il est... tout. Ok, ouais, c'est toujours à peu près de trait, donc 4 km. Merde, j'ai fait le alt-tab encore une fois, sauf que là ça coûte cher. Et on n'a pas mis les musiques en fond d'ailleurs, je les entends plus. Les musiques. Les musiques. Ah oui, celle-là. Il est le gramophone, putain, il est là. L'a pas lancé. On va mettre celle-là. Ah mais ça en met qu'une. D'accord. Je pensais que ça joue en boucle, mais non. Logique. Voilà, on est dans l'ambiance. T'imagines, t'es dans le navire, t'écoutes à l'hydrophone et t'entends cette musique-là. La joie à bord du sous-marin. Je sais pas si tu dois être terrifié ou tu dois vibrer. 40. On est que c'est 40, bientôt 15. Notre fin. Enfin, leur fin. Qui se méfie. Ok, et j'avais dit 40, c'est ça? Oh putain, j'ai compris comment faire pour entrer une direction et la truc et l'angle. Oh mon dieu. C'est magique, Sora. C'est bon, je n'ai plus à me galérer sur les angles et tout ça. Je peux taper direct l'angle, la direction. Le problème, c'est qu'on est sous l'eau. On est à quelle profondeur, là? C'est difficile. Tu veux que je gère? Non, je gère. C'est juste qu'il est chiant. Petit à petit. Mais regarde ton angle à droite. T'es pas aligné. J'ai pas corrigé indépendamment hein, les deux. Et au moment où je te dis ça, le truc s'aligne, genre il arrête de se débattre. Ok. Putain, on est super stable pour une raison ou l'autre. Non mais il change mais doucement. Non, je parle au niveau des vagues. Alors attends, du coup c'est plutôt la moitié. La moitié, et je crois qu'il nous double. On va remonter à la surface, il nous double. Il nous double. Il va plus vite que nous. Ah. Je vais fermer les valves et puis je nous fais remonter pleine vitesse vers lui. Surface. On est derrière lui là malheureusement. Fais les ballasts, capitaine. J'ai une question. Je crois qu'on se fait semer par un convoyeur. Ouais, pourtant il nous trace, hein. Il s'éloigne, je le vois. Il est où notre truc d'air compressé qu'il va falloir qu'on en recompresse un peu. Ouais, il est là, derrière, à côté du ballast, à l'arrière de la salle de contrôle. C'est du ballast. C'est ça là. Non, ça c'est la pompe. Ah si, compresse air. Bien vu. Que ça fait aussi le bridge level, non? Mais non, bridge pompe. Bah non. Bridge pompe. Non, c'est pas ça. Oui, mais non, c'est plus ça. Mais il est où le pressurizer? Ils l'ont mis à sa vraie place? Je vois.
Enfin, la vibe qu'il y a avec la musique. Ça va être permis. Ok. Normalement, on a remonté à la surface. C'est bon, c'est que le compresseur, il a sa vraie place maintenant. D'accord. C'est pour ça. Diesel. Parce qu'avant, ce truc, c'était le compresseur. Full speed. Là, on va gagner en vitesse, là. Là, ça va chier dessus en face. C'est à quelle distance qu'on devrait dive pour s'approcher de lui discrètement? Ah. Je pense qu'il nous a vu, capitaine. Ils nous savent qu'on est là. Ils font des zigzags. Ah, ils sont stables après, hein. Ouais, là, tu vois, on était en dessous. On commençait à descendre en dessous de deux. Ils s'éloignaient doucement. Ok. Parce que là il était à 4 km. Quand il sera à la troisième barre, on passera sous l'eau pleine vitesse avec la batterie. Ça va pas durer longtemps, mais au moins. Est-ce que je devrais pas charger les batteries maintenant en vrai? Ouais, non, de toute façon on aura assez. Je remonterai à la surface. C'est bon, j'ai coupé le compresseur. Yeah. Ouais, je vais attendre qu'on soit. Ouais, à 4 barres. Et on fera une plongée à ce moment-là, pleine vitesse électrique, et on lui froncera ça dessus. Ça doit être incroyable, les types qui dorment juste derrière la salle des machines. Le plaisir. Alors que là, chez les officiers... Fais un petit tour du truc en attendant. N'hésite pas à remettre de la musique au passage. Mettre de la musique. Là, en fait, c'est un stream ASMR, on est dans le sous-marin. Hein. Aujourd'hui, on va couler des navires marchands sans protection. Note, j'ai fait en sorte que ça blasse la musique dans absolument tous les compartiments, même en haut. N'empêche, c'est quand même vachement plus clean. On n'arrive pas à faire les tâches simultanément. En même temps, on a genre 5-6 postes à faire en même temps, parce qu'il y a dive officer, celui qui dirige, celui qui s'occupe de la navigation, qui doit normalement spotter et faire tout ça. Il y a le commandant qui dirige le tout. On a, je crois pas que dans cette version il y a souvent ça les machines, mais on a l'officier d'attaque. Enfin, je crois que c'est le commandant qui s'occupe de ça, j'ai un doute. Allô? Ah, attends, c'est quoi pour parler? C'est V? Allô? Non, mais bon, il marche pas mon chat vocal sur le jeu. Allô? Attends, je reteste. Tu m'entends? Allô? Allô? Non, je t'entends toujours pas. Oh. Allô? Je sais pas pourquoi, moi, il fonctionne. Allô? Non. Tu le vois le truc en bas s'afficher? Quand t'appuies? Oui, je le vois, mais. Ouais. Je l'entends pas. Dommage. Pas de raison, une autre, le jeu, il capte pas mon micro. On va à 18 nœuds. L'autre il voit qu'on s'approche très très vite. C'est pas beau ça, ça donne pas envie de vivre dans un sous-marin comme ça. Il est où les nuits? Regarde ça, le bon mais moteur pas... diesel là. Mais t'es pas juste en face. Allez là. Pas fun ça. Ok, on le rattrape mais doucement. C'est un délire. Mais si doucement, c'est ridicule. 25 degrés sur notre droite. Ok, je vais tourner de 25 degrés sur notre droite. Mais je deviens un véritable... Un sous-marinier en herbe. Puisqu'il est fort. Pour l'instant, je décède. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, ouais. Fatigué. Épuisé. Tu vois, finalement, il n'y avait pas tant de trucs à faire, à part la galère pure et dure venant de la chasse sous-maritime.
J'ai un ticket, mais est-ce que c'est vraiment compliqué le fait qu'on n'ait pas les charges magnétiques sur les tours rapides? T'inquiète. Et ça rend beaucoup plus dur ou pas? Non, t'inquiète. La vraie torpille, c'est la torpille à impact. Ok, on s'approche, j'ai l'impression. On a toujours 4 km derrière eux. Avec les vagues après. En fait, c'est chiant, c'est que je peux pas utiliser le centre de la visée pour pouvoir faire la hauteur. Tu vois, l'endroit stable, je peux pas l'utiliser, je vais utiliser le truc qui va tanguer le plus sur ma visée. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est pas un moyen d'avoir les trucs qui sont projetés. Pourquoi je dois utiliser l'endroit le moins stable de tout le truc pour tirer avec mes torpilles? Enfin, pour pouvoir cibler une cible. Pourquoi ils l'ont pas mis sur le centre comme tous les tanks? Capitaine. Hein? Capitaine. Oui. Regardez devant le bateau. OMG. Salut. Tu le vois quand je vais sur rien? Oui. Attends. Dis bleu repéré. Ils sont un peu penauds sur l'avant du bateau là en mode. Ils sont loin quand même. Attends, comment on fait déjà ça? Non, pas ça. Ah, j'ai cherché un truc. Mais si, regarde, j'ai réussi. T'as changé la couleur. T'as la torche. Au secours. Hein. Oui. Pourquoi tu peux regarder si bas avec le périscope? Genre vraiment tu peux regarder ton navire. Qu'est-ce que... Ah, je sais pas, comme ça tu peux vérifier l'état de ton bateau. Ah putain, il est pas quand. C'est un moyen comme une autre. N'empêche, on a un canon antiaérien mais y a pas d'avion. Y a des avions dans le jeu mais ouais, y'en a pas. Eh ben, c'est quoi la vitesse max du navire en face là, le. Le type c'est 5 qui reste, donc c'est le... 11 nœuds. Le type. C'est type 5. Ouais, c'est 11 nœuds. Enfin, on est censé le rattraper de fou, non? On va à 18 nœuds là, on est à pleine vitesse. Après, je dis on rattrape de fou, mais 18 nœuds c'est. Pas grand chose quoi. On le rattrape, c'est ce qui compte. Ah effectivement, on commence à le rattraper. Et en plus il fait du zigzag un peu. Ça m'étonne pas de lui. Voilà, pour la table de calcul avec le disque d'attaque, ça devrait pas être compliqué hein. C'est... Là on est derrière lui. Il va droit en face de nous. On pourra faire un tir avec plusieurs torpilles qui vont dans différents. Enfin avec différents angles pour d'attaque pour. Oui capitaine. C'est vrai qu'on peut tirer aussi en surface, hein, les torpilles. C'est vrai. 4 km, c'est bon pour un tir en surface? Quoique, il nous fuit. Ça. T'avais dit c'était combien pour. En distance attends, max de... Faut que je mette 40. Alors, attends, 40. Ouais, c'est 4-6. Donc, 46. Non, 4-6. Okay, attends. Okay. Non, attends, j'ai fumé. J'étais pas sûr là, pour une raison ou une autre. Ah, je suis sur l'horizontale. Tu penses qu'il va à vitesse maximale là? Je sais pas. C'est. On peut pas juger sa vitesse en fait. Mais sa vitesse est importante pour le savoir. Le truc c'est que je peux pas être précis vis-à-vis de la. Bah, si je prends le point le plus élevé que je vois, c'est la deuxième tour en face. Et à 27 mètres. C'est le plus proche de quelque chose. Prendre la tour derrière, c'est celle que je joue. 34. Pourquoi t'as tiré une torpille? Pour voir. D'accord. L'ordinateur il me dit oh bof. Moi je dis qu'à cela ne tienne. T'as fait les calculs toi-même et tout? Non. Et là je suis en train de regarder. Direction, j'ai dit il est là-bas, j'ai tiré.
D'accord. T'as fait au pif. Oui, capitaine. Et donc là, il est à peu près à 5, 5, c'est 1, attends, c'est 1 km 5 là. Mais pas si proche. Bon, je vais reprendre la conning tower, c'est quand même plus simple. Ouais, c'est 21 plus que 22 même la hauteur en vrai, j'ai un ticket. Ouais, 22, non, 22. Il est quasiment à 3, ça serait 2 km 6. 2 km 6, 350. 2. Après vraiment là? 150, bah oui, par rapport à nous. Est-ce que j'ai aligné notre truc depuis le changement de trajectoire? Non. Peut-être pour ça. On est en... Ah putain, j'ai obligé d'utiliser la carte là. Bien. Bien. Voilà. Voilà, hop. Donc 350. Et j'avais dit 2 km 6, c'est ça? Ouais. Voilà. Non mais je te jure, une fois que tu sais qu'en fait comment rentrer les trucs au clavier numérique pour la distance, c'est tellement plus rapide. Je t'apprends. Ouais. En fait, si tu rentres la... Enfin, ça dépend si t'as la distance ou l'angle d'abord. Mais tu tapes celui que t'as en premier, tu fais entrer et tu tapes le deuxième. C'est tout con, hein, mais il faut le savoir. Rien ne l'explique. C'est un navire canadien, capitaine, j'ai peur. Je suis en train de dévier sur notre gauche, quoi. On est plus tout à fait en train de lui foncer dessus. Ouais, mais si tu veux, on peut se recaler un petit peu sur lui. On va être parallèle. C'est lui qui tourne en fait depuis tout à l'heure. Pas nous qui tournons, c'est lui. Mon chat, ça dit palpitant le jeu. Ah, mais j'ai dit que c'était un live ASMR, hein. Les gens peuvent dormir tranquillement face à ça. Hein. Après, on a Foranot Attack aussi. Hein. C'est compliqué. C'est pas simple. Moi, je pense que c'est vraiment pas simple le jeu. Hein. Pour faire un truc, faut tout comprendre. Et on est en désavantage, on est que deux. Ah, sinon, j'ai des jeux de sous-marins qui sont plus palpitants, mais celui-là, il est bien, il est simu. Voilà les simus. En vrai, ça va, rien. Il se passe des choses. Est-ce que tu peux aller. Attends, il faut que j'aille au périscope en haut. Moi, je suis au périscope en haut, capitaine. Ok, tu peux me dire la direction pour être qu'on soit parallèle à lui? C'est direction par rapport. Véritable, pas relatif. De sa position à lui? Ouais, de sa position à lui, ouais. Somme 34. 134? Non, 234. 234, ok. On se passe tout à fait dessus, mais c'est pas mal. On est en interception là. Ça qui est beau. C'est quoi? Maintenant qu'on comprend tout ça, ça va être plus simple. Mais fais pas le pat-pat, Aruka, y'a plus l'avatar. Oh là là. Il y a 2 km. Je vais raligner notre course. Hop. Hop. Ok, donc maintenant je peux faire là. Le temps que je fasse mon calcul sera 5, donc je vais mettre 1,8. Capitaine, moi je... C'est catégorique, hein. 1,8 en... 0, enfin, tiens,
J'ai une information d'une extrême importance à vous donner. Quoi? Il tire dessus. Les Canadiens. Et les Canadiens, et... C'est terrible. On va le couler. Mais il va tirer sur des Canadiens, capitaine. Ils sont passés au endroit au mauvais moment, qu'est-ce que je veux que je te dise? Tu vois, sur la carte, tu peux voir mes trucs en direct. Je pense qu'on va passer en plongée. Je vais faire charger nos batteries vite fait. Sachant que ça va nous stopper. Ce qui est terrible. Regardez la jolie carte que Isha il a fait. Ça, c'était le début. Et ça, c'est maintenant. Là, c'est qu'on sait. Chaque point, c'est. la position. Je vais retirer ceux qui servent pas. Hop. Voilà. Chaque fois que je fais un trait vers quelque chose. Les points de solo, c'est nous, et les points avec un trait, c'est les ennemis. Ok. Electric engine. Full speed. C'est fermé en haut? Oui, capitaine. Plongez. Oui, je t'ai invoqué, Xia. Oh mon dieu. Elle est là. Ah, salut Aizu, pardon. À boire, pardon. Est-ce que tu avais oublié le live, Xia? Faut pas faire chier un Canadien? Bah regarde, le Canadien on le fait chier depuis tout à l'heure et on va le couler. Ok, si tu veux on peut tenter un tir. En vrai. Tâter les eaux. Ok. Et je vais te donner la... Mince. On a sa vitesse? La vitesse, c'est le seul problème que j'ai. Aucune idée. Et bon, on va dire qu'il va à 0 nœud puisqu'il est devant nous. Hop. Et tu préchoteras. Tu peux dire 9, hein. Mais en fait, il zigzague, en fait, c'est ça le problème. Ouais, mets 9 nœuds. 9 nœuds. Distance. Distance. Dix-sept. Et à tirer, capitaine. Je le suis. Et attends, il change de trajectoire. Il zigzague encore. Ou est-ce qu'il change vraiment de trajectoire? Et oui, on était dimanche, Xia. Ah, la ferme. C'est gros dodo, mais oui, on s'est douté. Ok, il change de direction, mais vénère. Il sait. Merde. Je change l'angle de tir aussi, enfin l'angle d'impact. Ouais, attends, je vais rentrer notre périscope en bas, comme ça on va être plus près. Peut-être qu'il voit des périscopes. Il a plus peur de périscope qu'un sous-marin qui est à la surface, peut-être. Je le vois, il zigzague. Il zigzague vraiment. Ok. Nouvelle direction. 5 degrés. Il est encore une fois. Il va tout droit. Attends. Ok. Il se rééloigne de nous complètement. Ok, non. Je vais te laisser voir. Il se décale un petit peu encore une fois. Putain. Il me fait chier. Ok, c'est bon. C'est bon. Et distance. Ok, il nous distance quand on est sous l'eau. Là, il est à 4, donc il a 2, il a 20. Ok, tu me dis quand c'est bon pour tirer. Vas-y, tire. Décale. Non mais je le déteste. Il fait des zigzags. Oh, je vois les bulles. On va en tirer une deuxième. Ok, un peu plus à droite du coup, mais... Ok, vas-y, tire. Ok, 1 minute 30 pour les deux. Il n'y a plus qu'à prier maintenant.
Le navire est juste devant nous, il nous nargue. Ok, est-ce qu'on peut en renvoyer une autre? Mais ce coup-là, il va perpendiculaire par rapport à nous. Ah, il va tout droit. Ah non, il va à gauche maintenant. Mais l'enfoiré. Jamais réussir à le toucher. Coucou, Rixia. Et tu me dis quand c'est ready. Attends, je regarde un peu collier. Mais... Désolé, t'inquiète pas, quand Elodie m'a dit que tu faisais une siège, j'ai fait c'est mort. Hop là. Vas-y, tire. Et il va en perpendiculaire par rapport à nous. Mais putain, arrête de zigzaguer, il m'énerve. Et si celle-là elle touche pas. C'est combien? Une minute combien pour qu'on touche? 1 minute 30, un peu moins. Je te jure, il fait du zigzag en continu. Le bateau alcoolique, mais non, c'est parce qu'il sait qu'on est là. C'est logique qu'il fait du zigzag, il veut pas mourir. Mais comment ils voient les torpilles? Moi je les vois pas, hein. C'est un délire. Pas qu'ils les voient, hein. Je crois juste faire des manœuvres d'évitement. Oui, ma souris, elle est là. Je crois que d'ailleurs le jeu n'est pas au max. Ouais, c'est bien ce que je veux dire. On a peut-être dû lui tirer un chapelet de torpilles. Hein. Ah mais c'est ce que j'ai fait là, gauche-droite, tout ça, c'est... J'ai juste bulle différente, hein. Ouais bon bah elles ont loupé je pense. On a encore une minute pour la dernière. Il y a du drift là, il sait. C'est pas simple à toucher avec des navires. Des navires. Le périscope il est pas rentré? Non, je l'utilise. Ah. Tu le vois faire ces zigzags, hein, c'est chiant. Oui, mais c'est. Là, c'est compliqué. Non, on a raté. Oh. Va falloir le canonner. Monté. Ah et non, Ixia. Et ça se crie dessus. Montez, montez, on va remonter. N'empêche, je crois que j'ai désactivé le truc à Quick Encounter, donc ça me fait chier à chaque fois qu'ils sont à deux, qu'ils sont à peine à côté quoi. Genre on fait juste un tour d'horizon, il y a deux navires à chaque fois. Après peut-être que les autres, on en a pas assez et les autres ils sont plus loin. Et je monte à la surface pour pulvériser nos assaillants. C'est pas plutôt nous les assaillants. Non, c'est eux. D'accord. Tu veux tirer ou je tire? Vous tirez, capitaine. D'accord, je tire. J'aurais pas dû aller sur Game Road aujourd'hui. Oh, l'erreur. Classique. Il y a 2,7 km. Touché, capitaine, le mât. Bah, j'ai touché l'objet le plus petit du navire, comment j'ai fait? Oh oui. Parfait, continuez. Là, maintenant que j'ai utilisé le canon, c'est fini pour eux. Est-ce qu'on peut les faire cramer leurs torpilles après, t'sais? Quoi la technique? On les canonne jusqu'à qu'ils meurent ou... Bah ouais, on les canonne jusqu'à ce qu'ils meurent. D'accord. En espérant qu'il y ait d'autres navires que ces deux-là. Non, c'est un peu triste. Foire étape pour avoir coulé ce bateau, chef. Hein? Foire étape pour avoir coulé ce bateau, chef. On pourra. Merci, chef. On aura fait notre job. On aura coulé deux convois, super. Enfin, deux bateaux. Ok, non. Un jour, on arrivera à faire avec les torpilles. Deux torpilles tirant rapidement et couler les deux navires d'un coup. Un truc bien stylé.
Mais au bout d'un moment, je t'inquiète pas, la prochaine fois j'aurai plus de tutos dans ma tête. Faut que je sois en meilleure forme surtout. Ouais, bah tu seras prêt mentalement parce qu'on l'aura prévu. Et tu, ça sera vraiment pendant la nuit. Ah mais non, ça sera après un live, oh non. Non mais la nuit ça va. Ouais, bah, là, ça c'est parce que c'est exceptionnel. Mais... bah ça sera vraiment la nuit de la nuit. Hein. Que ça devrait mieux aller. Que la main il nous juge au loin quand je vois ce jeu là. Je pense que oui, il juge. Clairement, c'est ce qu'il fait. c'est le regard de Count Dooku, je sais plus comment il s'appelle l'acteur. C'est ce regard là. Je sais pas de quel regard tu parles, mais. Tu vois pas l'acteur de Count Dooku ? Non. Celui aussi qui a joué Saruman. Hein, tu vois toujours pas. Si, je vois qui c'est, mais je vois pas le regard. Ah, c'est vraiment un regard. C'est vraiment confiant et très fort. C'est, il perce ton âme. Il est parti où, mon obus ? Dans le bateau. Un peu trop court. J'ai vu une explosion après le tir. Je pense que ça a passé dans l'eau et ça a touché sous l'eau. Il crame bien. Ouais. Oh non, mais il y en a que deux. Victoire. Oh, c'est terrible, il y en a que deux. Bah, return to port. C'est quoi le keep playing? Genre, il y a d'autres navires qui spawnent ou... Non, juste tu peux rester. Hein. D'accord. Une heure, c'est beau. Et... next mission. Comment ça, next mission? Ah, ça remet la même. Dehors. D'accord. Ah. Hop. Wow, les vagues derrière. Alors, est-ce que j'avais mis Quick and Cooter? Non, j'ai pas mis Quick and Cooter. Mais what the fuck? Tu veux continuer tout seul ou pas? Qu'est-ce que je pourrais faire en solo? Que sinon, j'envoie les gens chez toi, du coup. Attends, Exia, tu veux faire du Helldiver? Je vais attendre qu'il y ait une réponse ou non. Ah mais je nous aurais pu nous simplifier notre vie en nous mettant pas devant, tu sais. Hein. Pas non plus que toutes les choses soient trop faciles. 22. Ok. Exia, je pense qu'elle est prête pour Duel Diver. Elodie. Sora, tu es trop fatigué. Moi, je vais aller faire ce que tu as fait, Exia. Voilà, petite sieste. Elodie. D'accord. Tu veux faire Duel Diver? Je peux te faire un câlin. Tu veux faire Duel Diver? Je vais envoyer les gens. Enfin, ce qu'il en reste. Pas, tu m'as même pas répondu! J'ai pas entendu! Aster! Oui? Câlin! Câlin, Exia! Il faudra que je regarde pour des trucs. Retard. Moi, je faisais gros sieste. Ouais, t'étais là, t'étais en train de taper ta meilleure sieste. Et moi, j'ai direct pré-choc quand j'ai entendu que t'étais parti faire une sieste, que t'allais pas arriver à l'heure. Mais je sais, j'avais pas pré-choc. Merci pour le raid, Sora! Aster, 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 Aster! C'est bon. Tu l'as appelé au moins 7 fois Sora depuis tout à l'heure. Ah, oui. Je suis désolé. C'est pas grave. N'hésite pas à me reprendre quand je le dis. Hein. C'est... Il faut. Faut... Non, j'hésite. Non, non, mais franchement, soit... tu me prends par le callback et tu dis c'est Aster! D'accord, je te prendrai par le callback quand je serai en forme. Mais c'est parce qu'on sait que. On sait que. Après. Elle m'a appelé Aïssou maintenant, ça y est. Bah, moi, j'appelle. Moi, je mélange tout le monde. C'est donc. Parce qu'on sait que Isha est un Zozoyo. Mais il faut me le rappeler. Faut me le rappeler. Zozoyo. Oui. Zozoyo. La Elvia. Ouais. Il nous dit je suis là pour ton plus grand plaisir. Il parle même par là. Je suis là pour le plus grand plaisir. Non, je pensais que c'est tu sois. Le plus grand plaisir. Voilà, j'arrive pas à le faire l'accent. Je suis là pour ton plus grand plaisir, Fräulein. Ach nein. Démocratie. Fräulein. Tu prends par le callback, ok. Ceux qui ont la rêve. Oui, t'es dit, c'est bien. C'est bien.
L'a entendu? Non. Waouh, on l'a entendu bien fort. Ouais, je l'ai fait dans le micro là, c'est vraiment là. Je l'ai fait fort pourtant, hein. Le live peut confirmer, je l'ai fait fort. Prends bien soin de mon live du coup, enfin des gens qui étaient sur mon live. Bon, t'inquiète pas, ils vont voir des explosions et puis ils vont pouvoir se moquer de moi tranquille. Se moquer de toi. Va bien, ils vont pouvoir respirer et faire ouais. Alors Isha, il y a un truc qu'il faut que tu fasses avant qu'on lance le jeu. Un peu tardif. Voilà. Hydrate-toi. Ah. Avant que tu lances le jeu, moi je suis déjà sur la map de carte. Boisson, non, boisson. Non, voilà, hydrate-toi, c'est ça que je voulais dire. Winariel, bien sûr. Oui. Toi, tu es doux, tu as aussi une fourrure. J'ai pas eu mes... Est-ce que j'ai eu mes... Le jeu a été gentil et quand j'ai crash à la dernière seconde avant les vagues, est-ce qu'il m'a... Il m'a compté comme si j'étais encore là ou est-ce qu'il m'a pas donné mes super samples? Il m'a pas donné mes super samples. Je pleure. J'étais... En gros, faut s'imaginer. La seconde où on va dans le... Que je m'approche du panicant, je crash, j'avais 15 communs, 15 rares, 2 et 3 super samples. Les super, ça vend jamais, je sais pas comment on les récupère. Tu veux qu'on aille chercher les super, Exia? Bah, il me faut des normales et des super parce qu'il faut encore que j'améliore mon vaisseau. Ok. Une fois qu'Elodie sera là, on va passer dans la difficulté 7. Oh. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à récupérer une carpette? Alors, je vais prendre des missions simples en 7. Mais le problème, c'est qu'on a besoin de grandes missions. Ça fera forcément ça là. Quand vous allez faire du set, vous allez faire quoi? Super simple. Bah, il est fou. Comment il va lui, chat? Ça va et toi, Carrie? Mon repas de ce soir, c'est contenté de flan. De flan. C'était bon. J'ai mangé 3 parts de flan sans lait. Mais est-ce que c'était bon? Oui, il est très bon ce flan. Bah, tout va bien. J'ai fait par amour avec maman. Peut-être pas. Est-ce qu'on affronte des insectes ou est-ce qu'on affronte des automatons en fait? Qu'est-ce qui est le pire? Les automatons, c'est le pire. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Les 100 followers. Ouais! Bravo! T'avais déjà tapé les 100 avant, j'avais déjà vu. Ouais, mais il y a des gens qui conduisent des. Parce que quand j'ai regardé, quand tu m'as envoyé ta chaîne, t'avais déjà tapé les 100. Ah oui, non mais ça fait quelques jours, mais j'avais pas dit à Aisha. Oh. Parce que là, je l'ai vu passer, et je me suis dit, attends, je vais lui dire. Comme ça, bah, on va faire, ouais. Apparemment, tu as heal Carrie, Aster. Quoi? Tu as heal Carrie, il va bien, ah, grâce, oui, à toi. Bien sûr, mais toujours là pour le caribou. Contre vents et marées, je suis là. Le caribou? Oui, le caribou. On va sauter, attention à vos, à vos jambes. Ah. Y'a l'autre qui me parlait pendant qu'on a fait le saut, ça l'a coupé. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser là, je vais rester en lurk sur le live du chat. On va pas rester longtemps, bah on fait un live, on fera le je pense on fera cette mission là, enfin cette opération là, on récupère des trucs et puis. Pardon, attendez, je vous ai pas fait attendre, je vous ai pas demandé. Isha. Oui. Tu dis pas bisous. Bye bye. Merci. Bye bye. Ok, ça va être ça. La propagande, non, je peux la shooter de loin. Je peux se mettre là et shooter là. Mais il y a des cailloux à côté de la propagande. Non. On est dans la propagande ennemie. Et en effet, on a quoi? Plus de météores, froid extrême et interférence atmosphérique. Dispersion augmentée. Ah. Ah. Faut prendre des trucs précis alors. Genre. Attends, donc là c'est des insectes ou c'est? Ouais, c'est des insectes, c'est des insectes. Ok, donc je rechange d'arme. Ah non, c'est bon, ça avait pas sauvegardé. Bah parfait. Tiens d'ailleurs, Isha. Oui. Coucou Elodie. Bah heureux. Oui, mais j'avais envie de le redire.
J'ai débloqué l'exosquelette. Ouais. Toi aussi? Ah ouais, je l'ai acheté. En fait, je pouvais l'acheter dès qu'il y a le truc était sorti. J'avais beaucoup de thunes. C'est juste que je devais attendre comme tout le monde. Moi aussi, j'ai un exosquelette. Let's go. Tout le monde a un exosquelette. Tu as un exosquelette. Oh, wow. Putain, ton armure. Tu es un exosquelette. J'indiquais ton armure, bordel. Pardon. Je me suis trompé le bouton. Ah non. Dis quoi? Je croyais que j'avais. Je croyais que je m'étais trompé le bouton, mais non, ça va finalement. Pas si grave comme appui de bouton. Après. Est-ce que je prends l'armure lourde ou l'armure légère? Ah et merde. Ouais, t'étais en prêt. Oui, oui, je sais, mais j'étais en train de réflexionner. Il réflexionne pas en prêt, moi j'appuie sur entrée. Trop tard. Bon bah j'ai me traîné le cul, mais au moins je vais être solide. Tu pourras, Isha. Oui. Tu pourras faire sortir mademoiselle tout à l'heure. Ok. J'ai une question. Et comment qu'elle va, Wiley? Elle va bien, elle m'a fait des bêtises tous les soirs comme d'habitude. Elle va bien, elle nous bouffe les pieds dès qu'elle peut. Attends, mais c'est une lune ça, c'est pas une planète? Même ça ressemble beaucoup à une lune, non? Je suis d'accord. Alors, ne bougez pas trop. Oh. Parce que. Bonjour le chat, hein, excusez-moi. Accessoirement. Ils nous ont vus! Un chargeur arrive direct! Ouvert. Oh bon, les gars, ils sont bien agressifs! Un chargeur! Alors d'ailleurs, Exia, j'ai appris. Voilà, regarde. Lui, il tire sur nous en fait, le vert. Ah! Et, ah merde, là, j'ai du gaz qui proute! Oh, y'a un chargeur là-bas. Un deuxième? Oh, ok. Non, pas encore, j'ai plus de. T'inquiète pas, j'ai ma roquette et tu tires dans le bras. T'as raison. Oh oui, il fait mortier le bâtard. Ouais, j'ai appris ça récemment. J'étais en mode, comment ça, il y en a un qui tire à distance avec les insectes. Ok, vous pouvez shooter la patte droite. Ah, l'enfoiré. Oh non, ça c'est la gauche, Exia, ça c'est la gauche. Ça se voit, la patte elle est blessée. Il est mort, c'est bon. Il est mort. Mortier. Attention, mortier de goût. Oh, il y a un goût qui brille. Ah ouais, le truc qui brille. Pardon, je baille en même temps. Faut que je vise la tête, moi. Ouch. J'ai été assassiné. Je peux pas. Par quoi? Y'a par les chasseurs, en fait. Genre... Ah, bon, ça va, alors. J'ai cru que t'avais assassiné par nous. Déjà, le bordel. Ah bah, la difficulté 7, si t'as pas de chance, ça va très vite en sucette. Hein. Ah, ça arrive. Tes affaires sont là, Isha. Là où je suis derrière toi. Ok. Ici, 25 degrés. Parfait. Quasiment tombé sur toi. Vous allez arrêter de me balancer les trucs. Et moi je peux pas traiter les hordes, mais je peux shooter les gros assez facilement. Moi je peux traiter les petites hordes. Parce que j'ai. J'ai vu une de tes balles passer à 1 cm de ma tête. J'ai fait. Okay. Non, c'est moi qui t'ai tiré à 1 cm de ta tête. Ouais, ça m'étonne parce que je suis en train actuellement de me battre avec. Ok. Avec est-ce que je vais toucher sa patte arrière? Ouch. Oh, vas-y, attends, moi je m'en débarrasse vite fait. Non. Top, voilà. Bien joué. C'est... Titan. Quoi déjà? Oh non. Soyez. Oh putain, il nous a vu. Laser. Vas-y, laserise-le là. Cuit. Faire des roquettes dessus. Mais beurre. Il vomit. Dans ta bouche. Oh, ta gueule. Oui. J'ai plus de roquettes, moi. Il faut qu'on aille. Si on veut faire la quête principale, c'est par là. Ouais, on va faire la quête principale. Si on veut faire la quête secondaire, alors, c'est par là. Non, on fait la quête principale là. Est-ce qu'on cherche? Mais on est à côté de la quête secondaire, elle est littéralement là. Est-ce que t'as un truc explosif, Exia? Non, mais je peux la. Est-ce que la quête secondaire, on peut la shooter de loin en fait? Ouais, non, mais j'ai un lance-flamme. Attends, je vais recharger, je la vois. Venez vers moi. Il a. Bah nickel. Exia revient. Tu comprends pas quand je te dis que je peux la shooter de loin. Il y a des gens là-bas. Regarde, tu vois? Je recharge. Je vise. Et je tire.
Oh, bien joué. Je l'ai déjà shooté de plus loin. Hein. C'est une fois je l'ai shooté et je voyais que de la brume. Hein. C'est j'ai le ce. Il y a plus de tête. Bon, il est mort le gros. Ah, ça a appelé une horde, punaise. Oh non. T'as lâché des phéromones. Oh putain, non, la précision. Ouais, faut faire gaffe, là ça shoot un peu où ça veut, mais pas. Vous puez. Grenade incendie. Bon bah, inutile. Ouais, y'en a d'autres après. Et ouais, moi je peux vraiment. Oh punaise. Mortieu. Je vais peut-être prendre un exosquelette en vrai, comme ça. Parce que j'en ai 3 là. Et Elodie aussi en a 3. Moi aussi. Non, j'ai pas pris l'exosquelette dedans. Bah, c'est moi qui en ai 3 là. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui atterrit là? Bah, c'est du froid partout autour. Chargeur! Ah, chargeur, ouais. Attention quand même, hein. Ouais, c'est en fait, j'essaye de lui shooter le. Une patte. Non mais attends, je vise. Je crois qu'il est mort. Ouais, en fait, les chargeurs, les fesses, c'est pas du blind. Enfin, c'est pas la zone, c'est pas un point faible en fait. C'est juste une zone où il y a pas de blindage. Bah alors, c'est quoi son point faible? Quand tu pètes une patte. Ah, c'est sa patte. C'est genre les pattes ouvertes, c'est les points faibles. C'est pour ça qu'on les tue si fort, si facilement. Ah ok, d'accord. Donc ouais, la meilleure technique c'est d'ouvrir la patte puis tirer dessus. Ok, on va aller vers l'objectif principal du coup qui se trouve... Merde. Encore faut-il là-bas. Ouvrir la patte. C'est ouais. Sud-ouest. Tu m'as écrasé. Ah bon? Tu m'as fait des dégâts. Oh désolé. C'est quoi ces trucs là-bas là? Ah non, Burke. Bon bah si les gens se posent la question, voilà la réponse. Oui, vous pouvez absolument écraser vos coéquipiers avec l'exoctuette. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ok. N'hésitez pas à prendre les munitions qui traînent ici, un peu ici et là. Ouais, voilà, j'en ai profité. Aussi, si vous voyez un caillou un peu étrange, je pourrais pas vous le dire, mais. Exactement, mais si vous voyez un caillou étrange, pointez-le. Et si votre personnage dit ah bah y'a un radar là-bas, on va aller faire le radar. Ça nous permet. Si notre perso dit ah bah y'a un radar là-bas. Mais encore? En gros, si vous voyez un caillou étrange en forme de champignon, mais pas vraiment champignon, tu vois, genre juste vaguement la forme d'un champignon, c'est-à-dire pince en haut, fin en bas et grand en haut. Ouais, ok. Et que tu le pointes et que ça te dit que c'est un point d'intérêt, faut y aller parce que c'est là où il peut avoir des super samples. Ah. Ok, d'accord. Ok, on a deux. Et c'est un caillou qu'on peut trouver n'importe où? C'est un caillou, ça va être un point d'intérêt, c'est pour ça. On peut le trouver n'importe où, mais... De quelle taille, le caillou? Est-ce que c'est un petit caillou? C'est plus... Non, il est relativement large, en vrai. Merde. Non! Arrêtez! Vous n'aurez pas ma démocratie! Si, ils l'ont eu. De toute façon, il y a un chargeur qui se dirige droit sur votre... vous. Un seul? Un de plus, on va dire. Je sais pas qui m'a sauvé, mais je remercie en tout cas... Voilà. Qui de droit? Bah, Isha. Allez, reviens avec ça. Moi, je suis un cadavre, alors. Le combat n'est pas terminé. Que quelqu'un peut le... Marave sur son côté? Ouais, enfin s'il y avait pas un monsieur là derrière qui m'ennuyait. Ok, vas-y, Exia. Ok, vous l'avez eu. C'est impossible, mais Astéroïde. Oh non. Chase. Moi j'ai plein de bonus. Chase. Je me suis pris un Astéroïde, je crois. Ouais, je crois aussi. Attends, je te rappelle. Bon, en tout cas, ça a fait le ménage. Je crois qu'on en a trouvé le caillou que je parlais. Attends, je suis pas sûr en fait. De toute façon, là je me concentre à éviter les catastrophes naturelles qui tombent sur la planète. C'est quoi ça? Un point d'intérêt? J'aide, du mieux que je peux. Dans le tas!
Attention, mortier. Ah, j'ai rien dit. Ah non, c'est un échantillon rare. Non, c'est bon. Je me corrige pas. Oui, j'ai eu l'autre échantillon rare, mais j'ai essayé de sur... Mais quoi? Mais comment ça tu tires à 90 degrés sur ta droite, espèce de saloperie de sac à brin? Ah, le mortier, lui, il en a rien à faire de sa direction. C'est vraiment... Non, pas le mortier, je parle vraiment, il a craché. Mais genre, ça a sorti par sa joue. Enfin, s'il avait une joue. Ça a une joue, les insectes? Je crois pas que ça ait vraiment des joues, hein, tant que tel. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Hein. On est en difficulté élevée. Ah putain, je me suis fait pulvériser par l'artillerie. Moi aussi. Faut l'appeler les nains de Ouais, oui, faut. Qu'est-ce qu'on a besoin là? J'appelle quelques renforts quand même. Vas-y, fais donc. Histoire d'être tranquille 2 minutes. Bourré! Je ne veux pas être une ombre pour la démocratie. Oh, shit. Oula. Quoi, 30 minutes, mais on a encore rien fait. Mais c'est là qu'on se rend compte que vraiment 40 minutes, c'est pas si rapide que ça. Ah putain, je me suis fait spawn. Y a un baveur qui m'a juste craché dessus direct. Ouais, peut-être qu'on va défendre en difficulté, hein, on va pas pouvoir. À 3, c'est chaud quand même. Attends, je te ramène. Hein. On a ce manque de punch. Ah, ok. Après, j'utilise pas mes. Il faut que je pense à utiliser mes stratagèmes. Oh non! On a un coup. Attendez. Non, mais ouais, ça va être complexe. Hein. Attends 2 minutes, il y a un truc qui va viser lui. Voilà. Bien joué. Ça n'est qu'une question. De force d'explosion. Il y a un putain de truc de. Bon, je renote là. Pas de pitié. Pour les croissants? Pour les insectes. Est-ce qu'on fait la tour radar? Peut-être pas finalement. On va se concentrer à aller faire les objectifs principaux. Hein. Ouais, je pense aussi. On gagnera déjà pas mal si on fait l'objectif principal, je pense. Ouais, et si on voit le truc des cailloux. Est-ce... Le champignon des cailloux. Oh, attendez! D'ailleurs, on va peut-être s'accroupir quand on passe à côté d'ennemis pour essayer d'être discret. Mais je vais appeler un exosquelette, si quelqu'un veut. Okay. Pas pour moi, mais pour... C'est vrai que je pourrais en appeler un aussi. Ouais. Je vais rappeler aussi du ravitaillement, si ça vous dérange. Vas-y, fais donc. Pas. Droite, haut, droite, papa. Et en vrai, je prends celui d'Elodie, moi je prends le mien. L'exo, il est solide face... Vas-y, mais j'étais en train d'essayer de ramener du ravitaillement. Ce serait bien qu'on puisse customiser l'exosquelette en choisissant les armes à mettre dessus. Il y en aura plusieurs à l'avenir. Bon, on avance. Oula, pardon, j'ai bien avoir un canon automatique à la place des... Alors, je vais détruire le camp à Stalker là, les chiens. C'est quoi l'arme sans su? L'arme sans su? C'est mon fusil à pompe. Ah. C'est ça tire. Ah putain d'astéroïde, je l'ai pas vu au dernier. Je l'ai vu qu'au dernier moment. Oh non. Pied, mais à chaque fois que tu prends les trucs, tu... Wouah, l'astéroïde est pas passé loin. Je crois que la planète nous vise. À chaque fois que tu prends l'exosquelette, tu te fais avoir par un astéroïde. Bah oui, en fait, genre je le vois moins en étant au sol. Et tu te fais exploser de plus loin. Ça va, t'es avec nous là? Faut que j'aille chercher mon stuff. Mais ouais, les astéroïdes. Finalement, les mecs face à des maps astéroïdes, c'est quand même chaud. Je suis désolé, ton mec il a été détruit direct. Hop. Je vais détruire. Ah là, coucou, je panier. Mais coucou, poussez-vous, je veux mon truc. J'ai détruit. Voilà, comme ça on aura plus de rôdeurs qui nous suivent partout. Ah, j'ai plus de roquettes. Ah non, mon bras, il a été cassé. Ah. Exia, t'étais dans un camp ennemi. Oui, j'étais en train d'essayer de le finir, mais ils m'ont arraché un bras.
Une jolie arrachage de tête, Isha. Alors du coup, je me suis moi. Que j'ai aucune fucking idée de ce que je dois faire. Bah moi, j'étais en train d'essayer de faire le camp là à gauche parce que bah. Bon. C'est le. Ah punaise, le point il a disparu. Pardon, je m'en occupe. Là. Le point a réapparu. Il y a un camp sur le. Bah je suis venu au camp finalement aussi. Jamais. Ouais, tu vois, en fait, ce camp c'est un peu un point de passage. Autant en profiter. Désolé. Qui c'est qui m'a envoyé une grenade? Je l'ai envoyé dans le nid, hein. Juste oui, pour. Oui, mais elle m'a rebondi dessus. Tué par Isha. Non, parce que je t'ai pas tiré dessus. T'as tiré avec quoi? Non, je t'ai pas tiré dessus. C'est juste, t'es morte d'un saignement du coup. Non, compte comme moi. Soigné. Je t'ai full vie. Oui, mais bah, c'est pas moi. J'ai des preuves vidéo. Je tire au fusil à pompe dans des aliens et mes balles elles traversent pas. Enfin, au fusil à pompe, pardon, au slug. Il va falloir. Again? Ah mince. Ouais. C'est le jeu qui envoie les 500 ennemis là. Surtout, il nous envoie des termites là, casse les noix. Ah. Oula. Et le dit a des soucis apparemment. Non, ça devrait aller. Les soucis sont décédés. Mais les soucis ont changé de forme. On t'en partait les chats aussi. Je vais vous envoyer loin, loin, loin. Non, non, mais en fait, j'ai tué le chargeur en fait, mais après ton laser il a fait. Je vais aller par là. C'était pas ou bien j'avais trop de. Oui, t'inquiète pas, je sais, mais c'est juste que j'essaie de m'occuper du chargeur. Putain, mais le baveur corrosif, j'ai pas le temps d'esquiver. Je me suis fait tuer 3 fois d'affilée, j'ai gâché tout nos renforts. Ma faute. Je rebrouche demain. C'est quoi le truc Ah ouais, c'est récupérer le disque du crypté. Non mais c'est fini, hein. C'est fini. Hein. Genre difficulté 7 à 4, c'est pas possible. Enfin 3, c'est pas possible. Ah mais merde, je sais même pas. J'ai une armure lourde. Oui mais. J'ai une armure lourde. Armure lourde pas, hein. L'acide dit one shot, hein. Oui bah c'est pas juste. Faut que tu t'imagines, en fait, si t'es pas allongé, t'as ton corps complet qui est recouvert de. Ah si. J'ai vraiment. J'ai pas le temps de m'allonger. Mais je fais. Si je suis allongé. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas de ta faute. La vache. Alors, normalement, le temps est. Donc, corriger le bug des missiles. Le bug des missiles. C'est quoi le bug des missiles? C'est le bug qu'on a eu l'autre fois où en fait les missiles. Tu récupères le code et ça te dit bon, c'est bon, le missile a été envoyé. Je l'ai jamais eu, moi. Tu es supposé aller où? Je l'ai eu une fois avec Nîmes. Tu es supposé aller où? Bah je sais pas, je peux pas afficher la carte. Sud-ouest. Sud-ouest, par là. Dans l'autre sens. Ah. Non, ça c'est nord-est. Ah non, sud-est, ouais. Là. Il y a un marqueur là-dessus. Ouest, sud-haut. Non, il y a un marqueur dessus. Elle est décalée par rapport à l'endroit où elle était, elle a bougé. Ah, my bad. Mon là. Moi je suis ma carte. Hein. Vas-y, suis ta carte. Suis la carte. Suis la carte. Je pense qu'après je vais prendre une arme qui a de la pénétration de blindage. Ce serait ici. Parce que le lance-pompe incendiaire c'est bien, mais ça manque de pénétration de blindage. Ah non, mais là surtout je vais réduire la difficulté indirecte. Hein, hein. Les super simples, on pourra pas les farmer comme ça. Faut vraiment les farmer avec des gens qui ont l'habitude de ce genre de difficulté, ouais, t'es avec A4. Ah oh, ouais, le robot qui t'achève. Alors du coup, le disque dur crypté, il est où? Non, ici c'est réactiver le générateur électrique. Ah oh, mais c'est pas le truc principal? Mais si. Si, si. Est-ce que tu dois le faire avant? Il y en a plus sûr avant. Ça, tu l'as arraché sa tête. Oh. Ah bah ouais. Oh la mauvaise nouvelle. Nice. La mauvaise nouvelle qui est au loin. Ah. Double mauvaise oh, nouvelle. Double mauvaise nouvelle.
Ça va, le jeu, tranquille. Le jeu qui s'est dit, un seul ça suffit pas, il en faut deux. T'as les spots d'enfoiré. Et en plus, il y a des trucs qui tombent du ciel. Il y a le mortier qui arrive. J'ai même plus de musique, genre il y a plus de terreur, plus rien là, c'est juste Elodie qui lutte pour sa vie. Mon dieu. M'en fous, tu mourras. Oh, tu l'as eu. Wouah. Attends, t'as eu les deux. Carrie. Mais comment Elodie qui sur Carrie. Mais elle a battu deux titans elle-même. Mais... Elodie the super soldier. Mais elle est invincible, c'est... Qu'est-ce que... Elle a du sang de genre personnage principal, là. Mais non. Je suis juste... Je survis. Tu es le personnage principal, Elodie. Oui, mais là, c'est la fin, là. Regarde, ton barrette est en or, maintenant. Mais où? Oh, mais c'est que la survie, hein, je vais pas m'en sortir. Elodie, ah, mais mortelle. C'est enfin, c'est que de la survie, mais c'est beau. Non mais attends, tu te rends compte que tu viens d'abattre et de survivre à deux titans, t'as deux chargeurs derrière toi, genre... Ah. Voilà. Wouah, le barou d'honneur, là, c'est vraiment l'objectif survie qui s'est affiché, quoi. Merde, je suis le Terry-Pop. Bon courage, Exia. J'avais pas prévu. Allez, vas-y, combien de temps? Objectif survivre, Exia. Je peux aussi trouver qu'Elodie, moi. J'ai pas une armure... Peut-être pour du kite. La mort. Putain. Oh. T'as été raclé sur le sol, là. Incroyable. C'est bon, je le tank. Le tank. Ah bon. Ah, bah. Tu te fais écraser, pauvre de toi. Dévoré. On a fait quand même deux petits trucs. On a fait quand même quelques objectifs, mais je savais pas ce que c'était que l'objectif principal. C'était un SSD, mais il y avait plein d'objectifs au passage. Ouais, putain. Fallait allumer les générateurs. Waouh, 0 étoile. Ouh. Ah. Ouh. Ah, ça fait mal, le cœur du démocrate. Ah. Nous avons déshonoré la patrie. Déshonneur. L'écran de fin, là, on s'est juste dévoré en continu, c'est quand même terrible. Alors, par contre, on va faire un truc, parce que moi, on va faire un truc pour que... Déjà, je vais descendre la difficulté. On va aller nourrir leurs œufs. Peut-être mettre 4, 5... sera un petit peu mieux. Mettre 4. Et je vais mettre sur une planète plus tranquille. Alors, BFG Division. Utilisez pas voilà. Vos Steam aussi, j'ai l'impression. Parce que regardez, Isha 2, bon, Isha ça va encore 4. Moi j'en ai utilisé 6. Hein. C'est pas parce que... Là, c'est juste, j'ai pas eu le temps, en fait, de les utiliser. On se faisait des genre... Genre, 3 fois, je me suis fait one-shot, en fait. Oui, c'est vrai que t'as pas eu de chance, quand même, Micha. Ouais, en fait, je spawnais, je faisais 3 mètres et explosion dans ma face. Attention, on se TP. Alors... Du coup... Voilà. Maintenant, ça va être moi, la terreur des ennemis. Alors, on va faire des missions plus simples, ça va aider aussi. On va être un peu moins puni par le jeu. On va changer de setup aussi. Le fusil à pompe est bien, mais sans la connerie. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le chat bouge les médocs. Voilà. Parce qu'en fait, je me suis dit que Kramer le vierge. Courir avec Kate, c'est plus agréable pour moi. Je vais regarder après. Voilà. C'est vraiment étrange, les trucs qui sont... Toujours des aliens ? Oui, toujours des aliens. Parfait. Et Tommy qui est en ligne, je sais pas s'il joue. Il est en stream, je crois, Tommy. Ah, oui. Ah, c'est en ligne sur Steam. Oui, ok, vous êtes ready ? Oui.
Attends, quoi qu'il est plus en stream. Je vois plus en stream. Ouais, mais il est en ligne sur Steam. Ouais, il est plus en stream. Il a fini son stream, Tommy Chaz. Ouais, il est juste en ligne sur stream. Sur stream, c'est tout. Son stream. On est en difficulté 4, donc on va pouvoir bully un peu plus facilement déjà. 4 ! Oh. Exila, je suis désolé, t'es super simple, mais à 4, c'est pas possible. Et puis surtout, il faut un peu plus de stratagème possible en fait. Et puis moi, je te dis, la seule fois où j'ai failli en avoir, je me suis fait pulvériser par le jeu, donc. Pas de bol. Hotzol. Hop. Regarde, j'ai le nouveau casque. Ça quoi, il me fait penser à ton casque. Dis-moi. Ça me fait penser au. Comment il s'appelle dans Cyberpunk? Les. Moi, ça me fait penser à une araignée. Attends. Vas-y, peux appuyer sur entrée, Xia. Elle a pas envie. Non, je vais pas chercher après la faction. Réfléchira dans ton tube alors. Le Maelstrom, tu peux penser au Maelstrom dans Cyberpunk. Ah. Oh. Tu vois, ceux qui ont tellement d'implants que ça en vient plus des machines que des humains. Ah. Oh. Souvent, le premier implant qu'ils font quand ils rentrent dans le gang, c'est super modifier les yeux. Un truc comme ça. Attends. Souvent, ils prennent des vieux implants, pas des implants modernes qui ressemblent à des humains, ils prennent des vieux implants. Je vois. Ou des implants militaires un peu chelou. Alors. Connard, je te choisis. Alors c'est con parce que j'avais changé d'arme exprès, j'ai pris le... Oh mais non, mais lui là derrière. Vas-y. Pas, où ça rien. Derrière là, il a fait son truc. T'inquiète pas, ils se font tirer dessus. Il a appelé les gens. Alors que si tu tires à droite, tu te fais tirer dessus. Tu prends ton missile. Comment ça si tu tires à droite? J'ai déjà tiré pas mal de fois à droite, je me suis déjà pris mon propre... Jamais pris mon propre missile. Il nous contourne. Contourner. Comment ça il nous contourne? Oh, pardon. Le laser, laser, calme-toi le laser. Il ne passe pas devant Connor, enfin... Tu préférais que je marche dessus? Bah non, tu passes derrière moi. Bah, tu pouvais pas. T'allais plus vite que moi et tu te décalais. Non, j'ai pas, j'étais immobile. Alors, j'ai trouvé une nuke. Non, ne tire pas dessus, Xia. On va faire la tour au fond là-bas et détruire le camp. Bon, elle a tiré dessus. Ricochet. Ah bah oui. Et je peux pas pointer parce que je suis dans le méca, mais... Nord-ouest, y a un nid, je vais le détruire. Attends, je vais venir avec toi, je te rattrape. En fait, voilà, c'est celui-là. Alors, en fait, Isha, je t'explique ce qui vient de se passer, il y a eu un ricochet. Ça a ricoché sur le blindage d'un ennemi, ça a été tapé directement dans la bombe. J'ai fait « Oh ». Oh non. Oupsie. Oh non. Ça fait partie du métier. Je crois que c'est un gros ennemi. Ça va, on a pas été touché par l'explosion. C'était quoi ce truc qui a dégagé en l'air là? Ah, c'est des cailloux. Est tellement balèze que du coup les cailloux il les détruit. Ah il défonce les cailloux. Aucun respect. Ah lui péter une. Il est mort. Ah d'accord. Je laisse détruire l'ennemi ou je le fais avec ma roquette? I'm on it. Ouais. Un. Deux. Effectivement je comprends pourquoi les gens ils préfèrent le mecha face aux insectes. Hein. Oh, c'est un très bon stratagème le mecha. Ouais, contre les insectes, ouais, contre les. J'ai plus de grenades! Contre les automatons, t'as un peu ce stress constant des roquettes. J'ai plus de toi, si tu veux, attends. Je me débarrasse juste de ce qui est un petit peu là, qui risquerait de me gêner. Il y a un autre truc là-bas. Ouais, je vois un autre nid. Les grenades à impact, c'est tout un programme. Bah, c'est pour ça que moi je prends des grenades incendiaires. J'aime bien l'impact. Moi. Ouais, la grenade à impact, elle est efficace. C'est grâce à ça que tout à l'heure j'ai pu me débarrasser. Ah, attends, tu peux Ah non, on avait déjà essayé, ça marchait pas. Parce que je sais plus comment il s'appelle, le titan. C'est avec une grenade que je m'en suis débarrassé. Oui, j'ai vu ça. T'as lancé que une grenade? Non, je pense qu'il avait été affaibli avant par une frappe orbitale que j'avais plus fait là. Comment ça s'appelle déjà? La frappe de canon électromagnétique orbitale. Mais il y en avait mais deux. Mais bizarrement, ça l'avait pas tué.
Ah ouais, il y en avait deux. Ah bah oui, alors je le tue. Ah oui, effectivement, si tu tires sur la droite, ça te tue. Comment ça? J'ai tiré sur la droite et ça m'a explosé. Après, je sais pas si c'est plutôt visé vers le sol. Je vois du coup le bug. Bon, Izu. Attends, je te rappelle. Ah, Izu a joué ? Non, c'est Izu a dit qu'il y avait un bug. Je sais pas comment Izu connaissait, mais Izu connaissait. Il a réussi à me faire reculer dans la terre. Ah. Ah, il est où mon lance-roquette là pour que je. Bah, c'est bon, la punie. Mais il va arrêter de me foncer dessus. Ah bah. Merci. Dead. Je sais pas. Non, moi je cherche pas pour les blindés. Moi j'ai trouvé une technique. Faut juste leur tourner autour une fois qu'ils se sont positionnés en position fétale là et ça arrive plus à rien faire. Mais moi genre. J'aime bien leur répéter la patte comme ça. J'ai des roquettes pour. Je tire sur la patte et après je spam la patte, il meurt rapidement. Pas besoin de me poser des questions. Moi je pouvais pas lui tourner autour parce qu'il y avait d'autres. Il était accompagné d'autres petits ovios. Note le battle pass arrive bientôt donc en vrai. Ouais, des super crédits c'est pas mal aussi. T'en as combien de super crédits avec Xia? Je sais pas, 800, 900. Ok. Bon, je suppose que ça sera 1000 vu qu'il a, peu... enfin, qu'il a l'air d'être la même taille que celui qu'on a. Encore une nuke. Qu'il a l'air de la même taille oh, que. Oh le canon d'artillerie. Pardon. Qu'il a l'air de la même taille que celui qu'on a actuellement. Je suis un papillon, ok. Je clip ça, hop. D'accord, j'accepte le clip. Mais mérité celui-là. Hein. Ah ouais. Explosif. Alors qu'est-ce qu'on a? Napalm. Explosif. La technique là, c'est de l'autre côté, Isha. De l'autre côté. De l'autre côté. Ici. Napalm. Explosif. Ici là, il y a des trucs, mais. Alors, champ statique. J'ai pas vu. Champ statique. Non, champ statique, tout sous son bleu. J'ai un explosif. Parce que, en fait, c'est à l'œil que tu reconnais. C'est quoi celui-là? Fumé. C'est encore pire. Fumé, c'est encore pire. Bon, bah, okay, champ statique, voilà. Hein. Les derniers qu'on a, c'est champ statique et champ statique. Hein. On n'a pas le choix. Il y en a une ici. Ah, toi aussi tu fais cette technique, mais moi je. J'ai la flemme, ouais. Moi je suis pas la flemme. Tu appuies sur eux, puis après tu rappuies sur eux. Tu lâches, je reprends. Mais je suis pas assez doué pour réussir à faire un truc bien. Ouais, tu vois, je l'ai fait tomber dans les escaliers donc. Moi à chaque fois il tombe, hein. Violence. Ok. Bah, tu peux spam le E aussi, ça fonctionne aussi un peu. C'est bon. Ok. D'accord. Tu n'as pas le temps. J'ai loupé ma frappe en fait. Je vais pouvoir me nettoyer un peu. Ah oui. Blouche. Et voilà, je te frappe. Et n'hésite pas à rouler dedans surtout. Enfoiré qui a envoyé ses phéromones. Oh no. J'ai tout le bas. C'est le bas du corps qui est propre et celui du haut qui est sale. Ah, Renade. J'ai pas tout mon FPS. J'ai tenté de caca. Ah bah je suis mort par le feu. Par ton feu. Non, j'ai pas lancé de grenade incendiaire. Ah putain, ah, c'est la mienne qui est venue sur toi, mais il y en a une autre qui a pété au loin, what the fuck. Alors, j'ai essayé de cac un géant, ça marche pas. J'ai touché où? Ah putain, c'est son flanc qui a pris. Je peux me respawn, j'ai des balles explosives, ça va lui faire mal. Ouais, j'essaierai. Non, c'est bon. Ah, j'ai envoyé un SOS, putain. On est marre. Ouf. Chaque fois je fais cette erreur du truc SOS. Ah bah il est mouru. My arm.
Christ. Voilà. Un insecte. Est-ce que mon stuff il sent le crier du coup? Je sais pas, mais il sent le. Hop, c'est à moi. T'as de la chance que ça soit commun. Non, je t'aurais brûlé. Ah. Pas de super crédit. Non, mais des médailles. Médailles. C'est bien les médailles. 5. Putain, c'est pas dégueu. Je tue des ennemis de loin, ils ne savent pas ce qu'il est dessus. Je serai gaffe par rapport aux roquettes du coup. Oui, fais gaffe, ça tue devant et derrière. Hein. Non, non, c'était le fait que j'ai. Oui, tirer sur la droite aussi, ça te tue. Mais je l'avais pas, j'avais fait des games où juste je pouvais tirer. Après, c'est peut-être en visant trop bas. Genre, tu te tapes. Mmh. Est-ce que quand t'es sur le côté droit et que tu vises vers le bas, tu tapes pas ta jambe par hasard? balles. Et on va arriver vers l'ennemi. Je sais pas si c'est un titan qu'on doit affronter. Non. Ouais, c'est un titan. Un titan? Ok. Ah, va falloir que je change mon liquide de CE. On va voir ce que vaut le mecha face à un titan. Je fais rien du coup. Je te laisse gérer. Titan face à un mecha. Attention, il y a une bombe. Oui. Gaffe quand même parce qu'il est corrosif, Isher. Ouais, bah je vais juste pas mettre à distance, hein, je pourrais rien faire d'autre. Je vais juste tirer vers sa tête et puis. Fais gaffe parce que comme il est grand, il peut aussi faire de loin. Ouais. Et de haut. Mm-mm. Il me restera un mecha après ça. Ouais, il m'en reste encore. Alors, c'est pas encore le titan. C'est un nid. Ouais, c'est un gros nid. Tu fais mal. Reste là-dedans. Ok, ça c'est fait. Ah, je fais gaffe parce que le titan il peut être aggro. Il y a eu un malon contre problème. Tu l'as rappelé, Isha? Ouais. Ok. Bon, le nid a été détruit, donc c'est essentiel. Mais il y a eu un malon contre problème. T'es explosé toi-même. Non, j'ai pris une griffe dans le cul. Une? On est pas trop à ça, une griffe. Ah. Je m'attendais pas trop à ça, mais bon, apparemment. Et c'est bon, le chargeur est mort. C'est cool, j'ai de renouveau des grenades. Hop. Gloops. Ah, c'est un des avantages de la mort, hein, parce que quand tu reviens, ben. Ah. Attends, il est où le dernier? Ah, il est là-bas. T'inquiète, Elodie, je suis dessus. Ok, je vais rappeler du ravitaillement parce que j'ai plus. Il manque des trucs quoi. Bien bon joué. Bah, le titan, tu peux le gérer assez facilement avec un. Enfin, ça prend quand même pas mal de roquettes en vrai. Mais tu peux le gérer. Mais oui, Exa, t'inquiète pas, y a des mechas autres que celui-là. Je sais pas comment ils vont les introduire, mais il y en aura d'autres. Peut-être avec. Il y a des munitions ici pour qui veut. Hein. Ah bah ça tombe bien. Merci. Bonjour. Est-ce que vous avez appelé de la démocratie? Alors, vous n'avez plus de tête, monsieur. Vous n'avez plus de tête, monsieur Dame. Bah, vu que la nuit elle tombe, je vois plus que le flash de mes armes. C'est terrible. Je déteste les ennemis qui continuent de d'attaquer alors qu'ils n'ont plus de tête. C'est pas démocratique ça. Mais ouais, pour le coup, le robot, j'ai vidé vers le sol. Je me demande si en tournant un peu vers la droite, quand le mecha il s'incline un peu avant que tu tournes, tu peux pas juste vider ta jambe avec les roquettes. Peut-être. Ok, j'ai plus qu'une roquette. Oh, agrougrou, je suis un blaster. Rien, je peux écraser. Blindé. Agrougrou, je suis méchant. Ça fait, Isha. Je les écrase. D'accord.
peux tirer celui qui est derrière moi que je peux pas tuer du coup. T'abîmes pas ton exosquelette de les écraser? Si, ils peuvent me faire des dégâts, mais c'est toujours mieux. Genre là, j'ai plus de balles. Ouais, tu vois, quand ils sont trop grands, je peux pas. Je crois que le tracking se fait dès le canon. Ah, vraiment, le lance-flamme, c'est imparable. Hein. Pas d'attente que toute la munition soit sortie. Hop. Je sais pas, faut voir. Je sais pas, j'en ai aucune idée en vrai. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est ça, parce que quand tu regardes, l'angle, c'est logique. Tu vois, là, je, techniquement, je vise ma jambe, en fait. Alors, si je vise comme ça, c'est ma jambe que je vise. Gnagnia, l'évacuation est disponible. On est au level 4, on peut tuer tout le monde. Est-ce que je peux... Vous savez que les petits insectes, je les one-shot, hein, genre quand je leur marche dessus. Ouais. Il y a un nid ici, si vous voulez. Moi aussi, j'en ai un. Et bah, je vais marcher, puis je vais tenter d'esquiver les problèmes. Voilà. Alors. Je t'amène mes problèmes, Exia. Ah. Exia, je t'amène mes problèmes, mais appelle Elodie pour nous aider avec nos problèmes. Hop, problème solved. Je suis peut-être morte, mais j'ai appelé mon laser. C'est vrai que le laser fait le taf. C'est j'ai plus de balles. Hein. C'est ça qui est marrant. Alors attends, il faut que j'aille quand même rechercher Connor et... J'ai suffisamment vite pour les kites, donc du coup c'est pas mal. Alors Connor... Oh, un échantillon. Alors... Exia, gauche. Exia, à côté de toi. Voilà. Je peux pas les tuer. Ah. T'inquiète pas. Alors le problème c'est pas qu'il y en avait qu'un, c'est qu'il y en avait plusieurs. Du coup, Lenny. Attention à ta droite, Isha. Hein. Ah, mais il est rentré en sol, fais gaffe. Comment ça, il est rentré en... Ah putain. Il a appelé ses poteaux. Après, au moins. L'avantage, c'est que je ressors avec Max. Il t'a envoyé une grenade dessus, Exia, mais j'ai décalé pour. Pour pas te l'envoyer dessus. Oh, pardon. T'inquiète pas. Oui, mon lance-flamme et mon bip-bip. Bah, Isha a ramassé mon bip-bip, hein, parce que sinon c'est pas drôle. bah, je crois qu'on a fini avec la zone, hein. On peut aller à celle-là. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? T'es moche, tu pues. Quoi? Tu veux encore? Ah, mais j'ai plus de flamme. Ok. C'est bon? T'as fini? Oh, il s'est fait éjecter. Désolé, c'est moi, j'aurais pas dû tuer alors que tu venais, Isha. Désolé. Tu le regardes, tu regardes en mode. 619, Elodie, je l'ai vu vraiment, tu l'as retourné, tu l'as jeté comme une crêpe. Non, en fait, il s'est jeté lui-même parce qu'il avait plus de tête. Ah. Ouais, il attaque, tu sais, c'est son dernier, sa dernière attaque avant la mort. Ils sont vénères quand tu arraches leur tête. Ouais, c'est vrai, ils sont devant et puis ils attaquent tout ce qu'il y a. Ah bah le mecha ça fonctionne bien. Punaise. J'ai hâte de plus de trucs. Oh merde. J'ai hâte de voir un joueur, tu sais, quand il y a plusieurs mechas, d'avoir que des véhicules. Que je des mechas. Je vais sortir comme mecha. Moi je sais ce qu'ils ont, mais je dirais pas parce que le type veut pas être spoil. Moi j'ai hâte qu'ils nous sortent une épée de consonneuse, une conne. Tu. Une épée genre comme un Landor? Non, elle, Exia, elle pense plutôt à du Warhammer, là. Vraiment une épée tronçonneuse, littérale. Il y en a un qui protège un truc qui brille. Où ça? Ok. Non, bah c'est pas grave, je vais me débarrasser lui comme ça. Ah, y'en a pas qu'un! Voilà. Alors. Jambes arrière. Tac, 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 tac. Ah, merde, bah trop tard. Vous savez que je peux les m'en occuper d'eux facilement, en plus. Oui, oui, bah j'avais déjà envoyé le truc avant que tu... Enfin, quand tu m'as dit jambes arrière, je l'avais déjà fini de programmer, alors. Des super crédits, ouais! De l'argent. Et du coup, j'étais en train 975. De dire, tu sais que plus on a de la grosse artillerie et plus les mobs vont devenir coriaces. Bah, après, la difficulté va granuler mieux, à mon avis. D'après ce que j'ai appris un truc. Ah, pardon. Exia, tu ne dis pas ce qui. Tu ne spoil pas. Les frappes orbitales sont plutôt dangereuses. Non, c'est à propos d'un mob. On m'a dit qu'un mob apparemment était en taille moyenne. Ouais, c'était moi qui l'avais dit.
Ah. Ah oui, mais ouais, ça je sais déjà. Ça, ça va. On a déjà spoilé là-dessus. Donc j'ai juste peur de ce qui peut arriver après. Ouais, mais je dirais pas. Moi je sais, mais enfin je. Je veux pas savoir, mais j'ai peur. D'ailleurs, j'ai un clip de quand ça s'est passé comme ça aussi. Il one shot le laser s'il reste trop longtemps sur toi. Genre, s'il reste 3 secondes, t'es dead. Ah bah, tu sais, plus il reste sur toi et plus il fait un trou. Hein. Genre, j'ai le clip vidéo, vraiment, il me tue en moins d'une seconde le machin. Vraiment, il m'a juste. C'était un assassinat hein, sur le clip, hein, c'est. C'est le clip qui m'a coûté le live d'ailleurs. Pas le live. J'ai voulu supprimer le clip parce qu'il était pas bien fait et pour une raison ou une autre, quand tu. Le bouton en bas de suppression, c'est celui du live et pas du clip. Ah, de la rediff. Ah, merde. Ouais. Y a un clip con. Enfin, une rediff complète de Helldiver qui est gone. Vas-y, chat, tu le pètes. Vas-y, tu pètes-le. Moi, je, on les crame au passage. On a plus qu'à se barrer. Attends, on a fait tous les objectifs secondaires ? 1, 2. 2. 2. C'est 2 en 4, je crois. On a peut-être. Non, parfois, il y en a 3. Bon, allez au point d'extraction, je vais fouiller un peu le coin parce que c'est le seul coin où on n'a pas vraiment fouillé. Ok. Débarrasse des lumières là. Hop. Il me manque 30 pour avoir le nombre de super crédits qui manque, c'est beau. Merde. Bon, Isha, j'aurais bien aimé que tu sois là finalement. Ah, y'a des regrets, c'est bon. Non, il y avait un gros, mais je crois que je l'ai cramé. Ouais, c'est bon, il a cramé. Oui, il tirait dans le cucu et il a cramé. Cucu ? Ah non, le cucu. Pourquoi ça brille en jaune ici ? Oh ! C'est quoi ce nid caché là ? Oula. Non, on a fait 3 même. Il y avait le nid de. Ah non, le nid rôdeur c'était avant. Ah, t'as trouvé un nid rôdeur, voilà, c'est ça. Attention, t'as les invisibles du coup. Ah, je sais pas viser, hein, c'est terrible. Je sais pas viser, mais j'ai pas besoin de viser maintenant. C'est bizarre parce qu'il y avait qu'un tout petit nid. Mais... Ouais, ouais, ah, c'est un truc de rôdeur en fait. Tu détruis le truc de nid, c'est bon. C'est l'objectif, le dernier objectif secondaire dont tu parlais. Voilà. C'est bon. Vas-y, viens, Isa. Oh, il y a de l'eau, je peux me laver. Oh, de l'eau. Il y a juste mon casque qui n'est pas lavé. Je suis un méca. Meurs. Ah. Attention, mécazord, là, fais gaffe, j'arrive. Hein. On va pas me tirer dessus. Meurs. Attention, il y a un colosse. Il y a un colosse. Il y a un gros cul. Voilà. Merde. Voilà, jambe ouverte. Il est mort, je crois. Il est mort. Il est mort. Non, j'ai tiré son cul, il a fait twerk. Ah bon ? Ouais. Attends, je teste. Ouais, ah non, il est encore en vie, je l'entends aller. Ah ouais ? Bah, il est bugué alors. Non, c'est pas grave. Je crois qu'il a peur. J'entends des créatures immondes. J'aime bien, c'est que vraiment il y a un coin où ils débarquent tous et moi je fais juste. Pourquoi il veut plus bouger, dis donc. Il fait le mort. Parce que toi. Attention, je vois un laser orbital. Aïe ! Oh non ! Le pélico m'a tué ! Mais il a dit, je t'ai réanimé. Traîtrise ! Ouah ! Sale traître. Bon alors ils sont où mes échantillons par contre ? C'est bon, je les ai pris. Ok. Attends, je récupère quand même Connor, parce que... Tiens, descends de ton vaisseau. Il a le droit de partir lui aussi. Vous pouvez y aller ? Nous pouvons y aller. Bah... Oui. Là, le méca, il est bien, ouais. Il est trop bien en avec les insectes. Mais... Alors, salut Rick. Oui, c'était pas du tout ça ce soir, je sais. Ouais, c'était pas. Ouais. Mais c'est pas du Wolfuck. Ah oui, punaise, d'ailleurs, oui, non, mais j'ai oublié de changer le nom à nouveau.
Alors, je suis désolé pour le fait que le stream de ce soir ne soit pas le bon stream, mais il y a eu ce qu'on appelle un défaut de sommeil. Aka, Exia avait oublié de dormir. Exia a oublié de se lever. Exia avait une grosse sieste. Mais on a fait du Wolfpack, on a fait un petit peu de Wolfpack, donc tu pourras voir sur la VOD. Alors, voir la galère. Je vais vous demander un truc, je vais vous dire 4 noms. Et vous allez me dire lequel vous voulez que je prenne. C'est juste... J'ai... Virgo. Silverwing. Morito. Andromeda. Et Pure Gold. Dites-moi. Que... Et Pure Gold, point d'interrogation. Andromeda. Ah ouais, c'est vrai. C'est le liquide pour cigarette électronique. Ah. Pour le goût. Putain. Alors là, j'ai aucune idée. C'est pour ça que je vous ai dit des noms, choisissez. Et je ne t'encourage pas dans... On va t'emmerder. Désolé, Exia. Je ne t'encourage pas. Et ben, je prendrai Andromeda parce que t'as dit Andromeda avant. Voilà. Oh non, tu me rends complice. Pas complice. Si, complice. Non, prends compte, Exia, de ce que t'as fait. Pas complice. Dis complice. Trahison. Comme pulse, comme pilote, comme pétacol. Comme trahison. J'ai peut-être vous laisser là, je suis fatiguée. On va peut-être s'arrêter là pour le live. N'hésitez pas à jouer avec d'autres gens qui seraient plus capables que moi en termes de démocratie. Ça fait 2 heures, moi je vais m'arrêter là. J'ai pas mangé encore. Ah oui, c'est vrai. C'est toi qui décides. Moi, il faut que je cherche après les boîtes que Webby a... Assassiné. T'arrêtes là ? Oui, bah oui, ça fait 2h25 que je suis en live. Ah oui, il est 23h30. Oh, mais... Mon Dieu, tu es fatigué, hein ? Tu travailles pas demain avec ça ? Si. Oh. Ouais, je travaille. En fait, je suis plus blasé par le fait d'avoir dormi la moitié de la soirée et du coup, pour avoir pu profiter avec mes amis plutôt que de. Ouais, je sais bien. Ouais. Est-ce qu'on peut raid ? Azekia, tu fais quoi? Comment ça? Tu parles à qui, Eric? Qui est-ce que tu détestes? Je te hais, mais c'est ce qui vient d'arriver, que du coup il peut pas... Ouais, mais qui? Bah c'est moi. Toi? Bon bah, pas de raid ce soir. Oh, doudou. Ouais, pas de raid ce soir, désolé. À moins qu'Exia va partir en live. Ah bah non, elle a le taf demain, elle va pas non, faire je rien. Bosse demain. bon bah pas de... Désolé, pas de raid. Je vous envoie vers la chaîne VOD ou les VOD de notre... ou les vidéos. Passez de bonnes soirées. Passez une bonne soirée. Les vidéos, elles sont très très drôles. Bye bye. Merci pour la pub, Exia. Soyez sages.